En ligne. Et bienvenue pour l'épisode 233 de Cops. Aujourd'hui, équipe réduite, Juan a disparu. Bon, il sera juste pas là ce soir. Donc du coup, on n'aura pas des plans foireux. Du coup, c'est Denis qui fait le résumé de l'épisode précédent. Parce que j'ai ouvert ma gueule, c'est sûr. on a continué l'enquête sur le Thanazor, là. Ensuite, il y a eu un peu d'enquête qu'on a sur le feu, parce que là, en fait, on attend juste pour choper le Thanazor qui va potentiellement sniper les deux vieux. On a trouvé des marques, tout ça, bien avant, sur l'épisode d'avant. Lynn a peaufiné un peu l'installation des caméras de surveillance du toit où le tireur va s'installer. Et puis c'est tout, ça c'est le résumé de l'épisode précédent. On a essayé d'arranger l'autoroute pour faire poser un avion. Ah oui, ça oui. J'avais oublié presque. Ça n'a pas très bien fonctionné, ça a senti un peu le roussi pour certains. Ah, ils nous ont pas écoutés. Hein. Bah ouais, non, mais attends, aussi, quelle idée d'écouter des flics, quoi. J'ai été RP aujourd'hui, j'ai mangé du poulet, j'ai droit. Cette blague vaut moins un XP, monsieur. Je suis d'accord pour le moins un XP, hein. Je plus le soir. Non, parce que si je fais ça, ça va créer un précédent, et dès que vous allez faire une connerie, il va demander des XP négatifs aux autres joueurs. Oui. Et puis je vais demander un arriéré aussi, hein, parce que tous les précédents qu'il y a eu avant, hein. Oh, il n'y en a pas eu tant que ça. Écoute, vu le nombre d'épisodes, faut mieux pas aller compter. Hein. Il y en a, allez, au minimum un par épisode. Ouais, bah... Par joueur. Ouais. Non, pas pour moi. Moi, je suis au-dessus de la mêlée, hein, franchement. Au calme. Bon, je pense que le résumé, il est OK. Je sais pas, ta première participation avec nous, t'es allé à Reno avec nous, alors bon, quelque part... J'étais encore jeune et naïf. Maintenant, je vous écouterai jamais. Maintenant, je sais que vous êtes dans des plans tordus. Du coup, tu gères Juan comment? Bah, pour le coup, en fait, Juan sera pas là de la journée, en fait, tout simplement, ou des deux jours, si on passe sur deux ou trois jours. Il y a une urgence congé. Une urgence surtout familiale. Dans le sens, il y a un souci avec Jules et sa fille, ou je sais pas, on trouvera bien quelque chose. Bah, dans tous les cas, il est pas là. Rappelle-moi l'âge de sa fille, elle est tombée malade, et puis elle a 42 fièvres, quoi. Ouais, bah voilà. Voilà. Mais en gros, il a grillé des congés. Ok. C'est pas grave, on fera la fête sans lui, hein. Ça fait aussi que vous serez qu'à une seule voiture à 3. Non, à 4. 3. Aria ne compte pas. Si, ah. Aria, elle compte, parce qu'elle prend la place, d'un oui, passager. Oui, mais Aria, elle peut pas conduire. C'est qui, Aria? C'est pas faux. C'est le chien de Denis. C'est assez rassurant comme réponse, je suis contente. Mais c'est un petit chiot. Il veut pas l'amener au combat, tu vois. Il veut pas l'amener... Mais par contre, elle détecte les bombes. C'est un chien d'apparat. Non. Mais genre, tu viens au taf avec tous les jours et tout? Bah oui, c'est un chien flic, en fait. Ah, mais c'est trop cool. Je savais pas qu'on aurait d'avoir des chiens flics.
J'ai surtout passé le stage pour et voilà quoi. J'ai passé les stages de plongée, moi. Ça peut être une bonne idée, mais attention aux requins dans les égouts. Alors, on reprend au vendredi 19 mars 2032. Ouais. Parti. Bon bah, 7h roll call. Je vais refaire le roll call pour que les gens qui nous écoutent puissent suivre. Donc, Lynn, où vous en êtes de vos enquêtes? Ouais, ça a pas trop avancé parce que le MJ est chargé. Et il charge toujours, t'inquiète pas. Voilà. c'est ça d'être sur cassette. Et du coup, hier, ça a été pas mal l'autoroute en fait. Hein. Ça a été un peu. Tracassant comme intervention. Et je dirais même qu'elle était un peu chaude. Ouais, c'est-à-dire. Tu parles de moi? Ouais. Non. Ah oui, pour l'intervention de l'autoroute. Ah, je préfère. Oui. Elle était un peu chaude, bon. Quoi, comme intervention. Bref. Donc, bah, vous en êtes sorti comme vous pouvez, hein? Oui, oui, c'est l'idée. C'est l'idée avec moi, Mike. La tranquille. Dans tous les cas, pour vous deux, vous n'avez pas de. Aujourd'hui, vous n'avez pas de. De patrouille à faire, techniquement. On ne vous donne pas de patrouille. Mais bon, un appel d'urgence peut vite arriver quand même. Ah, oui. Ne soyons pas naïfs. Et bah écoute, moi, Lynn, c'était d'accord de m'accompagner. Il fallait que j'aille faire un tour pour une ancienne enquête sur. On est toujours en roll call. Ah pardon, là. Excuse-moi, j'avais pas compris, je crois qu'on était passé à autre chose, désolé. Ah non, non, pas du tout. Bon, après, moi j'ai fini. Hein. Voilà, bon, donc après, Juan il est pas là, donc Mike. Oui, bah on est toujours sur l'enquête du tueur pour l'assurance. Donc vous l'arrêtez demain, c'est ça? Voilà, c'est ça le plan. A priori, on n'a pas de nouvelles pistes à explorer. On est parti sur la stratégie de. On est parti sur la stratégie de le prendre sur le fait. Et okay. Voilà. Bah, pensez à faire les papiers qu'il faut pour les demandes de matériel pour demain. Ouais. Ouais, ok, ça marche. Merci. Denis. Alors, le camion... Lieutenant. Ah, c'est lieutenant, c'est pas chef. Chef, lieutenant. Tous les titres grattés lui conviennent. Alors, le camion, j'ai pas pris le temps encore d'appeler le service avec qui je travaille. Le SAM m'a notifié du fait, et vous devez avoir le mail, que vous êtes actuellement sous le coup d'une nouvelle enquête. J'ai pas les détails, mais vous êtes à temps notifié. Quoi ? Sous le coup d'une enquête du SAD ? Oui. Est-ce qu'il y a un tableau de tous les cops avec le nombre d'enquêtes du SAD dessus et il faut cocher à chaque pour fois pour le moment, vous nouvelle. L'avez pas fait. Non, mais ça pourrait être fait, tiens. Je pense que. Moi, je pense pourquoi que le Pitbull, SAD enquête sur lui ? Bah, on sait pas. Bah, en fait, c'est que le SAD est obligé de dire qu'il enquête sur un policier en fonction, mais il n'est pas obligé de dire pourquoi. Ah ouais, tu peux juste stresser comme un porc pour rien. C'est l'idée. Non. Ça veut dire que soit quelqu'un a balancé quelque chose sur Denis, soit eux ont trouvé quelque chose sur Denis, soit ils ont une suspicion de quelque chose sur Denis, ou que Denis a eu un problème. Si tu stresses pas, c'est que t'es con. C'est le SAD. Bah, ils peuvent te faire des emmerdes. Oui, mais tant que je ne sais pas de quoi ils veulent me parler, pour le moment... De toute façon, le SAD, il trouve un problème, t'as un blâme, au bout de 20 blâmes, t'as une réprimande, et au bout de 20 réprimandes, t'as une prise de salaire d'une semaine. Oh là là. Et après, on toi, un de C4, je vais te saquer avec le SAD, juste pour le plaisir de le saquer. Et après, on recommence le même jeu. Bref. Ouais, je suis intouchable au niveau SAD, moi. Pourquoi? Parce que mes tirs sont toujours les. Ils tirent souvent, le plus souvent en cas de légitime défense, ou alors on peut pas prouver l'inverse. Oui, et puis en plus, vu que ces tirs sont légaux, ils sont carrés. Oui, bah c'est le principe d'un tir légaux, a priori. Non, j'avais une blague, mais elle est pas passée. D'accord. Légaux. Voilà. Carré, légaux. De la brique. Moi, j'aurais plutôt tenté de faire une blague sur le massif égaux de Hobby, mais chacun sa stratégie. Hein. Dans tous les cas, tu te fais un petit peu... Mais clairement, il te dit, on va vous trouver une autre enquête, hein, parce que vous avez l'air de vous ennuyer, monsieur Denis. Ah non, j'ai aussi aussi le dépôt, j'ai fait les papiers pour.
Le dépôt, c'est-à-dire ? Bah, je vous en avais parlé, le dépôt. Oui, de... mais vous n'avez pas ouvert une enquête, hein ? Si, j'ai fait les papiers pour. Bah, il faut en vérifier, hein. Ils sont pas bien faits. Hein. Bon, bah, je vous les refais tout de suite, chef. Que pour que les papiers soient faits, il faut que ce soit marqué sur mon tableau. Donc, il faut me le dire de le marquer, si tu veux, Wedge. Oui, d'accord. Bah, du coup, tu veux dire que ça va du bougie, hein. Non, donc, pour le coup, c'est marqué en regard, mais c'est pas marqué dans ses offrets officiels actuellement. Ah, ah oui. Pour le coup, je me souviens qu'il avait fait. Hein. Il avait fait des jets de bureaucratie et tout, ouais, pour remplir les documents. En regard, mais... et tu veux faire quoi Oui, donc tu as ouvert une enquête sur son regard, on est d'accord? Oui, avec une. Pour le moment, on va commencer par une surveillance, savoir un peu combien ils okay. peuvent être là-dedans, et puis voilà. Bah, c'est simple, hein. T'as les moyens, c'est-à-dire toi. Ah. Bah, jusque-là, comment tu fais des surveillances? Bah oui. Bah, donc, tu fais des papiers, on demande des caméras, et puis on va les mettre en place, et puis voilà. Des caméras, une petite équipe si possible, et puis voilà. Et tu vas surveiller qui, Wedge? Des Bloods et potentiellement une mafia coréenne. Bah, je vais pas te faire chier, hein. Et puis voilà. Aussi, okay. Et ensuite, si le plan A ne marche pas, on passe au plan Lean. Ouais, alors le plan Lean, tu vas pas l'appeler le plan Lean, hein, dans tes papiers, d'accord? Non, mais c'est un plan. Le plan A, c'est la surveillance. On essaie de bloquer tout le monde. Mais l'esprit, tu vois, c'est l'esprit de Lean dans le plan. Tu vas l'appeler liberté de la presse et des contacts. Non. Le plan Lean, c'est le plan. On prévient un de tes contacts d'une mafia, je sais plus laquelle. Qui en veut un peu. On fait circuler le bruit. Quoi. Bon, là, et qu'il se passe des choses. Et puis on attend. Ok. Bah, le but, c'est qu'il y ait une petite guerre des gangs et que ça les déloge et que ça les fasse bouger un peu, quoi. Parce que rien ne vaut dans un quartier résidentiel qu'une fusillade à l'arme, voilà. de guerre. Une bonne petite guerre des gangs. Déjà, ça fait baisser le prix des loyers. Donc, c'est pas mal pour l'immobilier sur la ville, hein. En fait, t'es en train de dire que tu mènes la lutte des classes anti-génification. Ah bah ouais, je lutte contre la génification de la ville, là. En créant des guerres de gangs, c'est génial. Bah oui. Et on parlera pas du côté moral de l'affaire. Tordu. Et non, mais pour le coup, c'est mettre un gros, grand coup de pied dans la fourmilière. Et puis de toute façon, s'ils savent qu'ils sont repérés à cet endroit-là, ils bougeront. Donc ils iront ailleurs. Et potentiellement, on pourra en choper un, deux, trois dans la fuite, quoi. C'est ça. En fait, de toute façon, à la base, c'est vraiment me débarrasser des Coréens, les Bloods, ah, mais un peu les couilles. Hein. Enfin, je veux dire, il faut comprendre qu'on est des rouages dans un engrenage qui n'en finira jamais. Donc voilà, on doit juste faire tourner la machine. Et le lubrifiant, c'est le sang des gangers. Exactement, merde. C'est bon. Le sang des gangers, c'est très bon pour le rituel. Pour le teint. Ouais, pardon, ça devient de pire en pire, cette partie. Bah, moi, je suis pas allé là-dedans, hein, voilà. Moi, c'est vous, hein, qui êtes allé là-dedans. Moi, je suis resté poétique un peu, je quand même. Je suis immaculé. Bon. Bon, bah, en gros, il vous dit, bah, continuez l'enquête. Vous avez pas besoin de patrouiller aujourd'hui. Et, de toute façon, les absents reprendront les heures de patrouille des collègues. Oui, ça, je suis complètement d'accord. Vous êtes vraiment tous prêts à cracher sur le cadavre. Hein. pauvre Juan. Non, c'est juste qu'il est pas là. Bah oui, mais bon, on va pas le... Hein. Bah toi un peu, Mike, parce que t'es partenaire avec Juan, hein, donc c'est toi qui l'effraie aussi. Hein, donc, hein. C'est toi qui l'effraie, donc. Et justement, tu vois, je me bats, je suis en mode, soyez pas des connards. Moi, c'était hors-jeu, hein, pour le coup, mais... Non, je m'en fous. Bah, j'aime bien les patrouilles, c'est... C'est vos grandes dames. C'est pas le donc. Mais non, mais c'est qu'on peut, on peut tuer des gens en patrouille. Et ben justement, moi je vais voir Lynn et je lui propose qu'on fasse une patrouille pour avancer sur une de mes enquêtes. Alors, je dis pas de problème, il faut juste regarder le planning et vérifier qu'on n'a pas, nous, de surveillance à faire au niveau de la camionnette. Ah oui, et puis d'abord, il faut qu'on commande, je crois que t'as dit quoi, le matériel pour demain. Oui. Un fusil sniper. Pourquoi il faut un fusil sniper ? Juste pour je pour rappelle, oui, vous avez des heures à faire dans la camionnette. Hein, oui, bah c'est ça. C'est ce que je te demande. C'est moi, je veux regarder dans le planning avant de partir quelles heures on doit faire pour y être au bon moment. Sur quoi, les... C'est quoi ça ?
Quoi, 7 heures de taf, je crois. Non, 8 heures de taf, je pense que vous avez ouais, facilement 5 heures dans la camionnette. Aujourd'hui ouais. Ou demain? Aujourd'hui, non, demain, enfin tous les jours en fait. Hein. Voilà. Bah, on s'est réservé le créneau où a priori on pense qu'il va arriver. Donc demain soir, c'est ça? Ouais. Oui. Voilà, on a demain soir, et donc je suppose qu'on a aussi ce soir ou aujourd'hui. Aujourd'hui pendant vos heures en fait. Pendant nos heures quoi. Bah, par voilà. Contre, j'ai une suggestion d'un. Ça peut être bateau, mais. Mais pourquoi on mettrait pas. Parce que ce serait trop simple en fait. Il y a les marquages, les archers. Je fais un AFK 30 secondes, une minute. Je discute d'un. Vas-y. Donc, en fait, moi, c'est que je trouve ça trop facile. Les marquages et compagnie, sniper, ok. Pourquoi ne pas essayer de. Comment. Je sais, parce que souvent, il a aussi quelques moments où il est proche des victimes. Mais pourquoi il ne changerait pas de plan au dernier moment? Bah parce qu'on sait que c'est préparé, que c'est minutieux, c'est ultra préparé, donc il le fait à l'avance. Il ne pourra pas se permettre de changer d'idée à la dernière minute. Et probablement que les clients ont demandé ça, en fait. On demandait, oui, on demandait de se faire... Oui, enfin... Ou faire ça un cours qui voilà. Se zigouille, hein. Oui. C'est les victimes quoi qui ont choisi ce mode-là, en pensant que c'était peut-être plus rapide et moins douloureux quoi. Mais moi ce que je pour l'opération, on met quelqu'un en bas de l'immeuble, on met deux personnes en haut, voilà, qui attendent que le mec se pointe sur l'échelle, hein, qui reste planqué sur le toit. Bon, de toute façon, il y a pas d'endroit pour se planquer sur le toit une fois que le mec sera en haut. Alors, mais une fois qu'il sera en haut, il pourra pas. Pour descendre, ça va être compliqué, quoi. Mais alors, avec une échelle, quoi. Néanmoins, est-ce que vous avez pas l'impression que c'est trop simple et que le MJ va nous niquer? J'ai très très fort cette sensation. Eh ben, la solution à ce plan-là, c'est le fusil sniper qui nous protégera et nous couvrira à distance. Et éventuellement nous aidera à. Comment dire. Vérifier qu'il n'y ait pas de renfort du mec ou du gars et voilà et voir s'il n'y a pas d'embrouille on va dire qui viennent avec lui quoi. Et sincèrement sur le toit pour se planquer en fait quand il monte sur l'échelle on a juste à s'allonger sur le toit non, mais l'échelle c'est... quoi. Hein. C'est pas eux non c'est pas compliqué hein, mais voilà il faudra juste se cacher un petit peu sur le toit histoire que s'ils regardent un peu avant d'y aller qu'on soit pas au bord du toit enfin au bord du truc et puis voilà normalement parce que techniquement je pense que c'est un coup facile en fait pour le gars. On entend toute la vie derrière. Ah, pardon, moi. Non, pas de problème. Ils entendent mon micro. Ils vous entendent parler. Donc, si vous pouvez chuchoter, c'est parfait. Pardon, désolé du bruit. Je m'en rendais pas compte. Pas de problème, t'inquiète. Et du coup, j'en étais. Mais c'est pas grave. Désolé, je t'ai coupé, mais. Parce que en fait, je t'entendais plus, Obi, en fait. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas très très important ce que j'allais dire, mais. Mais moi, j'ai une question qui peut paraître con, hein, encore une fois, hein, mais. Le sniper, ça sera toi qui l'utilisera. Non. C'est qui? Enfin, ça peut. Bah, en fait, je pensais essayer de recruter quelqu'un d'autre. Alors, pour le coup, si on le joue aujourd'hui, ça pourrait être Juan, histoire de l'occuper, entre guillemets, et de pas le mettre au milieu. En fait, c'est pour moi, le poste de sniper, c'est vraiment plus un observateur qu'un tireur, hein, dans les faits. Oui, c'est quelqu'un qui va nous assurer une sécurité. Ouais, ouais. Et dans le pire des cas, si par exemple les deux personnes qui sont en haut ont été neutralisées ou pire et que le mec prend le tir, on empêchera le tir en éliminant le truc. Mais c'est vraiment le dernier recours. Et je pense pas que ça ira jusque là. Mais voilà. Mais dans les faits, moi je pensais qu'on pouvait même demander du renfort. En fait, on pouvait. Si on le fait aujourd'hui, ça serait peut-être intéressant de le donner à Juan, histoire de dire qu'il est là, mais qu'il n'est pas là. Ouais. Ou sinon, on demande un renfort de deux autres PNJ. Typiquement, Sniper, quoi. Sniper, l'équipe Sniper. Voilà. Qui pourrait le faire. Et puis nous, on reste proche pour faire l'arrestation. C'est bon, le bruit de fond? Ouais, nickel. Okay.
Mais du coup, faut s'attendre à ce que le mec, même si je pense que lui s'attend à une mission facile, parce qu'il a peut-être l'habitude de travailler avec cette association, enfin avec cette assurance, et que du coup ça marche bien et c'est des coûts faciles entre guillemets. Mais à mon avis, le mec, c'est un pro, donc il va pas être facile à neutraliser. Hein. Je pense, s'il se laisse pas faire, il va être compliqué. Hein. C'est un pro avec une moto. Oui. Mais là, vous êtes dans un truc où si tout se déroule de manière rationnelle, mais un MJ, c'est connu pour être vicieux et irrationnel. Tu vois. Oui, alors... mais alors c'est pas un plan du MJ, c'est un plan des auteurs du jeu. Oui, et alors... donc en fait, le truc, c'est et que ils sont moi, très je mauvais. Pense... Voilà, c'est ils pas sont des très masters, mauvais. En fait, le truc, c'est que bon, je pense quand même à une sorte de plan de secours, on va dire, mais. Mais c'est vrai que ensuite, comment le truc, c'est que je pense que le capturer va nous apporter pour choper le gars qui, l'un des quatre noms qui est ressorti de la boîte d'assurance, quoi. Parce que là, tu vois, par exemple, typiquement, on parle du principe depuis le début que c'est un tireur isolé qui agit, enfin, c'est un sous-traitant du meurtre qui agit pour le compte de cette boîte. Mais ça se trouve, en fait, il y a plusieurs tueurs qui sont sous-traitants pour cette boîte. Ah, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé, ce qui explique pourquoi il y a plusieurs façons de nous tuer, en fait. Il y a des poisons, il y a le tir, ça, j'en suis... Et du coup, en fait, si lui, on l'attrape, il faut quand même pouvoir prétendre qu'il ait répondu à la commande pour pouvoir continuer à remonter le fil. C'est ça. Oui. On s'est pas préparé pour ça. Bah, idéalement, notre objectif, c'est d'arrêter le mercenaire et de le faire parler, en fait. C'est ça notre but. Oui, alors ça, je suis tout à fait d'accord, mais par rapport à ses commanditaires, parce qu'il doit être en contact par une oreillette ou par un SMS ou je ne sais pas exactement comment, mais il doit être en contact avec ses commanditaires. C'est pour ça que pour une fois, Lynn a dit on ne le tue pas. Ouais, mais pour une fois. Oui, dans l'absolu, oui, mais. J'aime beaucoup cette espèce de retour en arrière sur on le tue pas, de Lynn. Merci. De rien. Enfin, dans la mesure du possible, on le tue pas. Si on se fait neutraliser, si les personnes qui sont sur le toit se font neutraliser, faudra l'empêcher de tirer, quoi. Mais sur le toit, tu me mettras moi, ça devrait passer. Enfin, excuse-moi, hein, Juan t'a cassé en deux, hein, donc bon. C'est bon. Je suis désolé, mais Juan t'a cassé en deux, gars. Alors, j'étais pas en grande forme, je le reprendrai quand tu veux, quoi. Voilà, t'as beau faire deux fois son poids en muscle, je suis désolé, il t'a cassé en deux. Bon, au-delà de vos petits concours de quéquettes. Non, de muscles. Oh, c'est pas moi, hein, c'est vous. Hein. remarque. Comment tu te dédouanes. Comment tu les lâches. Pardon, j'ai pensé à une connerie, mais bon, je vais éviter. Moi je pense que. Enfin, parce que l'objectif, en fait, c'est pas d'arrêter ce tireur qui est finalement un sous-traitant du crime, c'est vraiment d'arrêter. Enfin, un sous-traitant. Ceci dit, bon, moi je trouve qu'il sert une cause qui est plutôt noble, hein, à vrai dire. Si on me demande d'aller sur l'euthanasie, on ne me demande pas, mais néanmoins, je le dis, je suis tout à fait favorable à l'euthanasie volontaire. Il y a une méthode quand même, mais oui. Mais oui, de cette façon-là, c'est pas méga ouf. En même temps, du coup, c'est plutôt la boîte que j'ai envie d'incriminer. C'est eux, en tout cas, l'objectif. Quoi. Mais non, mais ça, j'en suis certain, mais je pense que on n'aura pas l'information de est-ce que ça vient de cette initiative personnelle de quelques représentants, est-ce que c'est un truc généralisé au sein de la boîte? On n'aura pas tous ces détails si on n'arrive pas à le choper. Ça me semble évident, c'est un point de départ inévitable. Ça ne veut pas dire que pour autant il ne faut pas qu'on anticipe de comment on va gérer. Parce que je pense que ce qui serait pas mal, tu vois, ce serait de simuler le fait qu'il soit encore en vie pour pouvoir potentiellement se faire commander un autre meurtre ou je sais pas quoi, parce que je pense qu'ils le connaissent pas personnellement, le mec doit être un échange par un téléphone crypté ou par un truc comme ça, tu vois. Oui, de toute façon, on a mis sur écoute le vieux couple, donc quand ils vont voir qu'ils n'ont pas été tués, ils vont se plaindre, a priori. Oui, mais du coup, le vieux couple, on peut leur tomber dessus à ce moment-là, on peut préparer une équipe qui leur tombe dessus et qui sont en mode, en fait, on sait ce que vous faites,
Et genre, vous arrêtez et vous n'avez pas le droit de contacter l'assurance parce qu'il y a une enquête sur eux. Enfin, tu vois, est-ce qu'on a un truc juridique pour les empêcher de contacter l'assurance ? Au contraire, j'aurais tendance à dire non, laissons-les rencontrer l'assurance et surveillons-les à ce moment-là. Ah, parce que tu penses pas que c'est une meilleure stratégie de simuler le fait que le tueur est encore en vie, enfin, de nous simuler le tueur et de se faire prendre une autre mission ? Ou alors de dire qu'il faut qu'on les rencontre ou je sais pas quoi. Ça peut être trop long en fait, je pense. Ça nous ouvrirait plus de portes en fait. Ouais, mais ils vont forcément. Ah, ouais, bah, vous voulez faire croire que les vieux sont morts. Moi je. Ouais. En gros, ok, c'est un mercenaire, tout machin, on l'a chopé et truc et tout. On l'arrête, ça, malheureusement, ça, on va être obligé. Alors, mais... juste une chose. Oui. Je rappelle que les vieux, pendant tout ça, normalement, je vous ai donné l'élément, mais ils ont pris un truc pour pioncer, en fait. Hein. Oui, donc, ils vont pas réagir tout de suite, quoi qu'il arrive. Qu'ils meurent ou qu'ils meurent pas, ils réagiront pas avant le lendemain matin. Et puis, ça nous laisse le temps de voir aussi, parce que ça se trouve, le mec, on va le choper, et en fait, il aura aucun moyen de communication sur lui avec la boîte. Ben, ou alors, c'est un moyen de communication qu'on pourra pas simuler. Justement, si les vieux, c'est pas un problème avant le lendemain matin. On a toute la nuit pour le faire parler. On a toute la nuit pour le faire parler, le gars. Et s'il lâche des infos, bah, du coup, on laisse tranquille les vieux. À la limite, on fait le plan de les surveiller et voir ce qu'ils font pour essayer de voir si ça déclenche des choses chez l'entreprise. Et si le gars nous donne rien, alors le lendemain matin, on se pointe à 5h du mat et on interdit la communication, chose comme ça, quoi. Oui, mais disons que je veux qu'on garde à l'esprit l'option, qu'on se donne l'option de pouvoir simuler d'être le tueur et de pouvoir infiltrer, en fait, en simulant d'être le tueur, l'organisation de l'intérieur. Moi, je pense que c'est quand même une piste qu'il faut qu'on se laisse. Moi, je pense que c'est très compliqué, en fait, parce que comme c'est l'assurance, c'est les premiers qui sont en contact que les vieux sont morts. Donc, pour leur faire croire que les vieux sont officiellement morts, il faut qu'il y ait des pistes juridiques solides, quoi, des certificats de décès, des machins et tout. Et bah, est-ce qu'on n'a pas encore le temps de commencer à préparer si on a envie de se lancer dans ce truc-là ? Est-ce que là, justement, puisqu'il nous reste encore une journée, on n'a pas le temps de contacter un juge et de monter les différents éléments pour que ça soit possible ? Je sais pas. Je sais pas si on a le temps ou pas. C'est pas anodin. Enfin, il te reste une journée et demie presque. Parce que sinon, ce qu'on peut tout simplement dire. Ouais, pardon. En gros, là, vous travaillez, il est 8h, vous travaillez jusqu'à 15h, et de 10 à 15, vous êtes censé être en train de surveiller le bâtiment depuis le truc. Après, vous êtes 3, c'est-à-dire que vous pouvez, il y en a un qui peut aller faire autre chose, voire un seul qui reste, ça dépend. Si vous pensez qu'il y a besoin d'une surveillance poussée de plus d'une personne, quoi. Je pense qu'une seule dans le fourgon, c'est pas mal. Hein. Ça suffira. Et à ce moment-là, si c'est qu'une seule personne, s'il faut, même si je peux refaire venir Juan pour que ça soit lui. Hein. Vous puissiez à 3 aller ailleurs. Ouais, c'est pas forcément déconnant. Voilà. On met le chien avec pour lui donner compagnie, et puis voilà. Bon alors, ça dit quoi ? Moi je dis ça se tente, hein, mais... On ne doit pas tenir la couverture trop longtemps. Tu vois, si on voit que la couverture est intenable et qu'en fait, ils nous demandent de tuer quelqu'un, genre demain, et qu'il va falloir qu'on refasse toute une procédure de fausse mort, machin, et qu'on est en mode chiant. Je pense pas, parce que... Il n'y a pas tant de morts que ça, et à chaque fois, il y a des délais assez importants pour que le tueur ait le temps de se préparer comme il faut. Donc, ils vont pas être dans mode... Ils vont pas être charo, ouais. Ouais, moi, je pense que faire la démarche, c'est pas inintelligent, mais que comme ça va demander du temps, au plus ça va demander du temps, au plus ils auront de chance de nous choper. Donc, enfin, de savoir que c'est bidon ce qu'on a fait. Et du coup, voilà. Après... Juste faire le coup de, on récupère son téléphone, et on lui demande comment il fait pour contacter ses contractants pour valider la mort, et on fait la même chose, ça nous donne un jour ou deux tranquille. Ça je pense que ça suffit. Aller plus loin, je pense que ça servira peu, en fait, et que c'est s'embêter pour rien. Mais voilà, c'est mon avis personnel. Après, en tout cas, au moins, si on fait cette stratégie de se laisser la possibilité, ça nous laisse voir si on a envie de le faire. Tu vois, c'est à un moment donné, on se dit « Ok, c'est une stratégie qui ne sert à rien. » Et au moins, on aura fait les démarches pour si jamais ça aurait été utile, avoir pu avoir ça en plan B, tu vois.
Si tu vois, on a la nuit pour cuisiner le mec. Si on arrive à remonter ses sources, c'est cool. Et sinon, on simule et on va voir les vieux et machin. D'un point de vue juridique, de quoi est-ce qu'on a besoin ? Alors, en fait, le truc, c'est qu'on peut. Potentiellement, en fait, on peut accuser la femme de. Ouais. De commanditaire, en fait. Ouais. Ça, c'est vraiment difficile mais... de faire ça à ces pauvres gens. Ouais, mais je veux dire, moi, je suis assureur, j'ai commandé un tueur pour tuer quelqu'un. Je demande à voir le corps, quoi. Est-ce qu'un tueur laisse un reçu c'est ça. T'es en train de nous faire les reçus du meurtre là. Non, mais je demande pas au tueur d'envoyer une photo du corps ou autre chose. On leur envoie de votre pied. Je demande à la police ou etc. ou au service machin de voilà. Donc il nous faut une fausse attestation de médecin. Il nous faut des faux, ouais. Mais sachant que vous aviez remonté potentiellement un médecin légiste qui faisait de la merde avec ce truc là. Oui, c'est vrai, il y a la médecin légiste. Elle est complètement zappée, elle, putain. Mm. Mm. Mais elle aussi, si on la contacte et qu'elle sait qu'on est flic, il faut la coffrer tout de suite. Hein. Enfin, je veux dire, il ne faut pas la laisser. Est-ce que finalement, on n'irait pas faire ça ? Est-ce qu'on n'irait pas la coffrer, elle ? Quoique non, parce que si jamais on arrive à remonter le réseau, on aura besoin qu'ils ne se sentent pas observés. Bah, en fait, l'arrêter, ça peut générer pas mal de remous, en fait. Moi, je pense que ça peut être le cas. Mais du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est on coffre le tueur, on coffre la médecin légiste dans la foulée. Et, pourquoi tu veux les... coffrer bah, attends, c'est tout con. Attends, c'est encore plus con. On a topé le mec. Quand on a topé le mec... On fait... Le sniper. Quand on a topé le sniper, on boucle l'appartement des vieux pour la nuit. Comme quoi, il y a eu des bruits de... on nous avait appelé pour des bruits de verre cassé, des trucs comme ça. Quoi. Wedge, je te le dis autrement. Si vous coffrez, si vous chopez le mec, il était bien intention de tuer, techniquement, là où il a failli tuer... ça reste une scène de crime, même s'il ne vous l'avait pas pris en flagrant délit, vous avez le droit de perquisitionner, parce que vous avez un témoignage comme quoi eux-mêmes sont complices, même si c'est leur propre mort, ils sont complices. Ouais. Mmh. Non mais moi je vois pas par contre l'intérêt de ta stratégie. Voilà, mais c'est juste pour te dire, t'as pas besoin de chercher. T'as pas besoin de chercher de motifs bizarres pour perquisitionner l'appartement des vieux. Non, par contre, je pense qu'on a été complètement mou du bulbe parce qu'on a complètement oublié la légiste. Et là, on était en train de monter une opération sans la choper, elle. Et parce que ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, t'as raison, Obi, puisqu'il travaille avec une meuf qui maquille les assassinats et qui font appel à elle, il est fort probable que le tueur chope les corps et les amène à la médecin légiste après. Alors, je pense que c'est la médecin légiste qui demande à s'en occuper par des vies, par un moyen légal en fait. Alors, en fait, l'idée c'est que je pense qu'ils doivent s'arranger pour faire que le meurtre soit quand elle est de service en fait. C'est pour ça qu'en fait, là avec ce que m'a rappelé Chrome, c'est que c'est nous qui prenons l'appartement des vieux une fois qu'on a chopé le mec, et que si elle se pointe, c'est là qu'on l'arrête. Okay, la médecin légiste, on va pas l'attendre, on va aller la chercher chez elle. C'est ça, moi, que je comprends pas. Si tu veux, à partir du moment donné, on a tué le tueur, à partir du moment qu'on a arrêté le tueur, on est obligé d'aller arrêter la médecin légiste dans la foulée. Clairement. Enfin, je pense qu'il faut qu'on prévoie deux équipes. Une équipe qui arrête le tueur et qui lui arrache les vers du nez, et une équipe qui va cueillir la légiste. Je pense que ça peut se faire l'une après l'autre. Hein, mais dans même on peut choper si la légiste avant. Si vous voulez arrêter les deux en même temps, ça ne me gêne pas qu'il y ait une autre équipe de cops, je parle de PNJ, qui l'arrête. Hein, parce que c'est une nana de médecine légale, elle ne va pas être difficile à coffrer. Mais en même temps, franchement, si on l'accueille avant, est-ce qu'ils vont pas voir ? Je ne pense pas. Hein. En fait, en même temps, moi je m'en fous, c'est pas grave. Moi, ça dépend le avant en fait. Le truc en même temps, c'est mieux, je pense. C'est plus sûr, on n'a pas de. Je suis plus pour en même temps. Bah, oui, mais sauf que, en fait, le truc, c'est que ça se trouve, on ne sait pas, mais en fait, ils sont en contact plus régulier qu'on ne le pense avec elle. Ça m'étonnerait, parce que sinon,
Je veux dire, c'est une organisation criminelle, c'est pas la Stasi, quoi. Ils sont pas tout le temps en train de savoir où et qui. J'imagine qu'ils délèguent dans certaines mesures. Mais on ne sait jamais si leur procédure, c'est de contacter la Légis le jour J. Non, pour moi, c'est plutôt un plan à la résistance. Il y a un gars qui connaît deux autres personnes, et les deux autres personnes en dessous, elles ne connaissent qu'un seul gars. Ah, comme ça, si t'es chopé. D'inconnu. Ouais, si t'es chopé, bah, tu peux à la limite cracher que un nom ou deux et grand max et voilà. Et donc du coup, mon avis, c'est plutôt comme ça. Et donc le sniper, il a aucune idée. Le tueur, il a aucune idée de qui est la légiste. C'est juste l'assurance qui va se démerder pour demander à ce que le tir soit fait au bon moment quand elle est en poste, quoi. Mais du coup, ça voudrait dire que l'assurance, il s'expose beaucoup, si c'est eux qui sont en contact avec le tueur, même si c'est à travers un numéro crypté ou je sais pas quoi. Ouais, mais il doit y avoir quelquelqu'un qui manigance tout ça derrière, je pense, en plus, qui lui est ouais, mais alors, du coup, blindé, comment il touche ses thunes, ce mec-là? Parce qu'il le fait pas ça gratos. Et on n'a pas trouvé de... Ah ben ça, on ne va pas le savoir hein, tant qu'on n'aura pas full access au compte individuel de tout le monde et qu'on n'aura pas des témoignages. Et on n'avait pas déjà accès à leur compte individuel ? Si, mais les comptes déclarés. Ah, tu penses qu'ils ont des comptes... Oui, je pense qu'il y a des trucs un peu plus subtils qu'on ne voit pas forcément dans les relevés qu'on a officiels, quoi, pour l'instant, mais... Moi je pense qu'ils sont rémunérés via en fait l'héritage des personnes en fait quand l'assurance fait un découpage des trucs, bah peut-être qu'il y a des fausses personnes qui reçoivent de l'argent et en fait ces fausses personnes ont des comptes dans des comptes enfin dans des pays un peu regardants sur l'identité bancaire et pouf ils sont juste dans la liste des héritiers. Sauf qu'en fait, le compte appartient à quelqu'un d'autre, quoi. Mais ça veut dire qu'il ferait des faux comptes d'héritiers pour que les gens puissent le toucher. Mmh. Ouais, c'est pas très compliqué quand t'es au placé dans l'assurance, quoi. Ok, enfin, hein. Mais... Et c'était plutôt clean, en fait. Mais on n'était pas allé voir un mec qui était un héritier et qui vivait à Pétaouchnouac. Vous vous rappelez pas de cette histoire? On est allé voir un mec qui vivait sur une île, je sais plus quoi, qui était l'un des héritiers déclarés sur un des trucs. Mmh. Et bah lui, pourquoi est-ce qu'il aurait été aussi déclaré si c'était un mec rendu? Après, c'est juste des hypothèses, hein. Moi je peux pas te dire que c'est soit ça, hein. Mais, oui, mais dans les faits, ça veut dire que peut-être que cette hypothèse elle fonctionne pas. Je suis pas sûr, hein. Mais du coup, je me dis juste que là il y avait un héritier qui était un vrai cum, quoi. Mmh. Ah, mais je pense que légalement ils prennent une portion d'argent qui est pas ouf, hein. Ouais, ils prennent une commission, ouais, et. Et je pense que c'est plus l'assurance qui se fait. Blanchir, hein. Je pense que c'est l'assurance qui se fait plus, comment dire, de thunes et qui éventuellement elle paye ensuite. Je sais pas. Enfin, dans tous les cas, c'est vrai que ça peut être une histoire de blanchiment. Dans tous les cas, toute cette histoire-là, c'est des choses qu'on pourra découvrir si on fait parler ces gus-là. Hein. Parce que même la médecin légiste, comment elle est payée aussi pour faire ces trucs. Et est-ce qu'on a regardé les comptes de la médecin? Moi, je suis pas sûr. Non, mais par contre, ce que j'aimerais faire, c'est regarder tous les certificats qu'elle fait, elle, pour vérifier, est-ce qu'ils sont tous mauvais ou il y a que ceux particulièrement qui touchent... Ouais, c'est une très bonne idée. Tu le feras quand tu saisiras, en fait, tous les... quand vous leur arrêterez, vous saisirez ces dossiers, vous pourrez faire là, ça. Et alors, attendez, on va réfléchir une dernière fois. Pourquoi est-ce qu'on ne l'arrêterait pas avant? Quelles seraient les raisons qui pourraient faire qu'on n'aurait pas intérêt à faire ça? Ça pourrait faire des vagues et ça pourrait prévenir. Oui. Est-ce qu'on est vraiment sûr que ça, c'est une hypothèse forte? Il y a bien du 90%, je pense. Hein. Moi, je pense que même s'il y a un seul pourcent, ça suffit pour pas qu'on le fasse, en fait. Moi, je le dirais autrement. En fait, ça change rien que tu l'arrêtes maintenant. Enfin, c'est pas ça, c'est que si tu l'arrêtes maintenant, ça t'apporte quoi de plus, en fait? Aussi. Oui. Par rapport au risque, en fait. Non, mais c'est vrai. Bon, bah, je pense. On parle juste de 24 heures, là, pour le coup, en plus. Je pense que, du coup, on part pour une arrestation simultanée. Ouais, simultanée. Mais là, dans la journée, si on peut. En gros, dès qu'on a topé le gars, on passe le coup de fil et les mecs font l'arrestation pour de la médecin légiste, quoi. Il y a Pitbull et Padré qui font l'arrestation. Ok.
Très bien. Est-ce qu'on a quelque chose à voir ou on fait une accélération du temps jusqu'au moment? Non, il y a des choses à voir. On a des choses à voir. Bah, tu voulais aller faire une patrouille, non? Et puis. Oui, mais c'est une enquête secondaire, hein, c'est pas. Oh, bon, on va faire ça. Ça dépend si vous pensez que vous avez du temps avant le lendemain, pendant vos heures de travail, pour faire. On va faire le papier pour avoir. Moi, de toute façon, j'ai un 18 à vous faire, quoi qu'il arrive. Pour faire un sniper, pour avoir le fusil sniper et pour mettre Juan dessus. Ouais. Éventuellement, voilà. Donc, Denis, comme t'aimes bien la bureaucratie, vas-y, fais-le jouer, s'il te plaît. Pourquoi, moi ? Et Denis, tu peux m'en profiter pour me prendre un petit gaz moutarde ou un petit gaz rapproché. Alors, si j'ai... Un gaz moutarde, clairement. Moutarde, c'est tout à fait exagéré. C'est miette. En fait, alors, en fait, au moment où tu me demandes ça, je te fais, si t'as besoin de grenades, je te montre ma ceinture, je pourrais t'en prêter. Non, alors, les forces de police n'ont pas de bombes au chlore. Hein. Voilà. C'est interdit par la convention de Genève, de mémoire. Hein, vous ne comprenez pas ce que je veux dire aussi, vous ne faites pas comprendre. Si tu veux des grenades fumigènes ou flash, je te montre ma ceinture de service. Mais tu veux des lacrymos. J'ai ce qu'il faut. Non, t'as pas de lacrymo. Mais j'ai pas de lacrymo, oui. Non, moi, je voudrais... Mais j'ai pas envie de pleurer, c'est pour ça. Non. Un gaz poivre ou, tu vois, un truc pour juste, si je me fais emmerder au corps à corps, j'ai un petit truc à lui mettre dans les yeux. Oui, bah, du lacrymo, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Ouais, tu vas sur la plage, tu prends du sable. Hein. Qu'est-ce que t'as dans tes poches? Du sable. C'est quoi? C'est la dotation standard du COPS. Ah, d'accord. T'as un peu la déchet. Okay. Dans tous les cas, faut faire des demandes. Ok. Mais Denis, tu peux le faire sur toi, demande comme ça, on fait qu'un jet de dés, j'ai la flemme. Ouais, je demande un... Sang-froid, bureaucratie. Allez, Denis. Ah, sang-froid. Ça change pas mal de choses. Bon, allez, croisez les fesses. Voilà. Croisez les fesses. Ouais, je sais pas faire, moi. Faut serrer la rigueur. Normalement, c'était 5, hein, monsieur Denis. La difficulté. Ah bon? Pourquoi? Ouais, le sniper. Ah, le sniper? Bon, bah, c'est raison, en fait. Exactement, le sniper et toutes les demandes de matériel, les difficultés sont augmentées de plus 2 depuis le changement de mairie, je rappelle, sur le matériel, ce genre de matériel. C'est vrai. Bon, je mets un petit point d'ancienneté. Parce que la mairie, elle a dit « Niette, les flics, ils sont trop violents. On va pas leur filer des armes non plus. » Alors, trop violent, tout de suite. Écoute, il paraît même qu'il y a un flic qui a plus de 100 morts à son actif en moins d'une année. Oui, bah, je c'est pas vrai. Qui. Et ça alors c'est plus d'une année. Et on a même plus le droit de taper dans l'œil des gens. Oh là là. Avec des petits flashballs. Bon, sinon, j'ai utilisé mon ancienneté. Oh, bah, j'avais compris. Bah, ok. Donc, pour Mike, t'auras en gros un truc à la ceinture, tu sais, un spray à la ceinture que tu peux envoyer. Ouais. Alors techniquement, ça fera juste un peu plus, un peu moins de force d'arrêt qu'un tonfa, mais voilà, parce qu'ils ont pas mis les lacrymos dans les deux. Bah, tu veux prendre, qu'on appelle ça, un taser, non? Ça peut pas. Ouais, mais ça va être dans le même genre. C'est en termes de. Ça fera pas de dégâts, quoi. Ça fera juste de la force d'arrêt, quoi. Ouais, ça suffit. Ouais, mais... Bref. Par contre, la portée est corps à corps ou 1 ou 2 mètres, quoi. Ouais, mais c'était dans l'idée, hein. C'est vraiment un truc de proximité pour... Tu veux le surnom Cobra Royal? Comme ça, comme tu vises les yeux. Je pensais plutôt à Pacificator, mais écoute... Dépendra de ta réussite de demain. Enfin, Et le sniper, il sera aussi fourni. Voilà. Yes. Okay. Avec des munitions quand même. Oui, merci. On sait jamais. T'as les munitions qu'on avait mis dans le fusil à pompe là, qui tuaient plus que les munitions de caoutchouc, qui tuaient plus que les standards. Tu te rappelles? Oui. Du coup, on peut prendre la voiture et puis en gros, on va vite faire. Un petit tour à droite à gauche pour des enquêtes secondaires et après il faudra aller à la voiture blanche, à la camionnette. Avant de partir, après avoir fait les papiers, parce que je suis doué pour les papiers, comparé à certains, je vais gentiment appeler le service de commande. Moi je suis doué pour le papier aussi, hein, mais aux toilettes. Hein. Voilà. Merci pour ce moment de poésie.
Non, je vais juste appeler le service sur l'enquête avec le camion de drogue. Là. Leur demander s'ils ont du nouveau. Bah, ils te disent que l'activité a l'air de diminuer. Il y a moins en moins de camions. Donc ils ont fait des filatures. Ils pensent qu'ils vont changer d'endroit. Voilà. Mais ils attendent. Ils vont te prévenir. Ils te préviennent. T'inquiète pas. Ok, d'accord. Mais tout changement comme ça, ce sera intéressant que j'aie à ne pas chercher le truc, quoi. Mais bon, bref. Bah, l'UTML, peut-être que c'est dedans. Hein. C'est dedans. Le passif agressif. Mais non, je l'ai pas mis sur Discord, mais normal. Mais t'inquiète pas, je te le ferai dans le mail. Mais ça va raccorder avec un autre truc que j'ai lu sur le jeu, donc c'est cool. Ok, bah, ok. On y go? Ouais. Et ensuite, bah, on peut y aller, du coup. Donc, c'est moi qui conduis. C'est la pause de midi. Et vous êtes à l'extérieur. Ouais. Mais on ne devait pas faire des trucs avant midi ? Bah, je considère que vous avez pris pas mal de temps, il est midi. J'ai besoin qu'il soit midi, que vous allez manger, que vous mangiez quelque part. Donc, la question, c'est où ? Bah, moi, j'ai été bouffé à la maison, là. Du coup, bah, moi, j'ai des Tupperware. Bah, ouais, on peut manger dans un parc, du coup. Tupperware aussi. Ok. Bah, vous êtes dans un parc, pas très loin de votre voiture de patrouille, hein, au cas où. Si jamais, on peut vous appeler. Oui, vous êtes déjà appelé en plein de bouffe, donc... Et là, il y a un tigre qui apparaît dans le parc. Non, ça a déjà été fait. Mais j'ai un 10-18 encore pire que celui d'Obi. Moi, j'aime pas les animaux quand on fait des bails méchants avec eux, là. Mais là, non, il n'y a pas d'animaux. Ah, t'aurais dû voir le 10-18 que j'ai fait sur les pigeons, hein, ça... Pouf. Oh, j'aurais pas kiffé. Bon, non, c'était pas méchant, il leur a rien arrivé aux pigeons, pour le coup. Ah, oui. Ça va. Par contre, les voitures, je dis pas. Alors, qu'est-ce qui nous arrive, mon cher Chrome ? Bon, alors vous êtes tranquillement en train de profiter de votre pause déjeuner. Bah, vous mangez à la limite... Non, ça va être à l'intérieur de votre véhicule. Pour le coup, c'est à l'intérieur de votre véhicule. Vous voyez une Dodge Windracer, alors me demandez pas c'est quoi comme voiture, qui surgit d'une petite rue dans un hurlement de pneus. Vous avez à peine le temps de laisser tomber votre barquette, ou de lancer votre café par la fenêtre, je ne sais pas, que la voiture fait une violente embardée pour éviter une petite fille immobilisée de terreur au milieu du passage. La Dodge renverse un tas de poubelles et finit sa course dans un mur. Bon, au moins, c'est déjà fini dans un mur. Ma bouchée tombe de ma bouche dans un truc très dégueu. Ouais. Bah, on va sortir de la voiture et on va se diriger vers la voiture qui a fait une embardée. Moi, je me dirige avec la voiture pour me mettre à l'arrière de la voiture pour la bloquer entre le mur et ma voiture. La voiture de patrouille. Si ça se trouve, c'est un mec qui fuit, hein. C'est pas forcément un coupable. C'est pour ça que je préfère éviter qu'il aille plus loin. Dans tous les cas, il est en train de se débattre avec son airbag. Bah, je vais le porter secours, / l'arrêter. Petit coup de couteau dans l'airbag. Vous avez un truc avec un couteau dessus, hein, donc techniquement, ouais. Donc, tu retires l'airbag, tu retires la ceinture. Mm-hmm. Pour plus de sécurité, tu coupes la ceinture, hein, tu te fais même pas chier. Ouais, ok. Le mec, en fait, il fait la fille, est-ce qu'elle va bien? Oui, oui, c'est voir la fille, moi. La fille, elle a eu peur, mais. Non, elle a eu peur, ouais. Elle pleure au milieu du passage que vous goûtez, en fait. Hein, mais oui, elle est pas morte. je la ramène sur un trottoir déjà. Bien. Bah, je dis oui, c'était chic comme formulation. Oui, elle va bien. Tu vois qu'il est soulagé et il regarde derrière. Putain, ils m'ont pas suivi. Et tu vois que le mec, il a son cœur qui bat à 200. Il est... Ok, bah, on va commencer par vous allez sortir de votre véhicule. Vous allez m'expliquer ce qui vous arrive. J'ai été braqué par un gang de Mexicains. J'ai fui aussi vite que je pouvais. D'accord, ils sont. Donc là, je prends immédiatement. Je pars du principe qu'ils me mitent au pas. Ils sont où? Il te dit, je passais à côté de South Central. Alors, vous êtes pas si loin que ça de South Central, clairement. Alors là, j'appelle et je fais un message genre à toutes les unités gang mexicain dans South Central. T'as une petite réponse d'un collègue qui fait ouais, bah, rien de neuf en fait. Rien de neuf, ouais. Ah, merde. Ouais,
Je prends l'immatriculation. Oui, central, c'est le quartier pourri de Los Angeles où il y a que c'est plein de gangs, etc. C'est là aussi il y avait eu les émeutes en 92. Mais donc, ça veut dire que genre on laisse le gang dans la rue. Ah bah en fait, c'est un peu une zone centrale, de non-droit. Quoi. T'as pas les moyens en fait. Oui, voilà. C'est une zone de non-droit actuellement. D'ac. C'est-à-dire qu'un régiment du squat se fait dessouder là-bas. Donc, le SWAT. Finalement, on a fait ce qu'on pouvait faire de mieux, c'est-à-dire sauver le gars et puis c'est tout. Ouais. Mais qui... Bah, bon, je vais quand même me préparer par rapport à là où il venait, vérifier qu'il n'est pas regardes. Suivi, quoi. Et voilà, il n'y a pas de voiture moi, qui arrive. Tu prends l'immatriculation de la bagnole. Ouais. Tu prends l'immatriculation. Je check. Tu check quoi? Je check sur l'informatique. Ok, tu me fais un jet de sang-froid. Bah, check l'identité du gars aussi. Hein. Donc? Attends, deux petites secondes. Non, mais je demande à. C'est Cirque à côté du gars, pas toi. En fait. Ah, pardon. Trois réussites. Mike? Bah, je vais quand même lui demander de me suivre, parce que le mec, je le connais pas. Il vient de débarquer en faisant un. Bah, il te sort en fait des papiers d'identité, il te dit qu'il a pas de puce. Il te montre ses papiers, il s'appelle Javier Soares. Je Ravière. Vais vous l'écrire. Ravière, ouais, ça se dit Ravière. Ouais, bah écoute. Non, mais comme ça, tu le sais. Oui, mais j'aurais oublié d'y aller demain. Hein, et vous avez jamais regardé Dirty Dancing 2 où le héros principal c'est Ravière. Voilà, je suis vachement déçu. Voilà. C'est pas celui qui se passe à Cuba ? Si ! Oh là là, t'es un connaisseur ! Ouais, en fait, j'ai pas réussi à le regarder en entier parce qu'il y a une grosse faute anachronique. Il y a le drapeau de Cuba actuel alors que c'est avant la révolution. Bon, ça c'est vrai que c'est complètement délirant. Mais c'est pas grave, ça va enlever le plaisir. Non, non, donc, mais c'est important. Je donne le nom du gars. Javier Soares. Et bah il est là. Il demande s'il a fait quelque chose de mal en fait. Est-ce qu'il y a des amendes à payer ou quelque chose? Enfin, il sait pas trop où il en est en fait. Le problème c'est que moi j'en sais rien. Du coup j'appelle Lynn en renfort. Bah, techniquement, il devait être en excès de vitesse clairement. Oui. Ouais, en même temps s'il y a un gang qui lui court après. C'est pas. C'est vous qui voyez ce qui faites ce que vous voulez avec ça. Si non, ma réussite, elle donne quoi ? Ta réussite, en effet, la voiture appartient à Javier Soares. T'as son truc d'identité qui est même que et sa photo et ça match. Il est pas fiché, il est pas recherché. Ok. Ok. Bah, est-ce qu'on lui a demandé pourquoi le gang le poursuivait en fait ? J'avoue que j'en sais rien, ils sont arrivés en voiture à côté de moi et ils m'ont braqué avec des armes, ils m'ont dit de m'arrêter, je pense qu'ils voulaient ma voiture. Alors, c'est une belle voiture ? Ouais, c'est une belle voiture. De ce que j'ai l'air de comprendre, ça a l'air d'être une voiture sportive et de collection en fait. Hein. Mais qu'est-ce qu'il foutait là-bas ? En fait, il t'explique, en fait, il était à côté de South Central, mais South Central est collé au centre-ville en fait. D'accord. Est-ce qu'il a des traces de consommation de drogue ? Sur lui, enfin, il a un nez un peu poureux ou un bras un peu. Je vais pas te faire de jet pour ça, mais t'as pas l'impression. Tu sens juste qu'il a. Que bon, là, la tension, elle redescend, mais au départ, ouais, il était. Ouais. On est d'accord qu'il n'y a pas eu de voiture qui l'a suivi. Non, il n'y a personne derrière. Et du coup, sa centrale, c'est genre à portée à pied ou il faut prendre une bagnole quand même pour y aller ? Faut prendre une bagnole, mais c'est pas très loin non plus, quoi. À pied, t'en as pour 10 minutes, quoi. C'est à 2 km, quoi. Ouais. Enfin, j'exagère. Moi, ouais, je serais tenté de dire. On lui colle une amende. On rassure la petite fille. On assure que. Voilà, la petite fille, elle va. Elle va. Elle va. Je considère que vous avez eu son identité. Elle a un badge. Vous avez appelé ses parents qui sont pas loin et qui viennent la chercher, en fait. Ouais. Moi, je suis désolé, mais ça me fait chier de foutre une amende au mec. Alors qu'il s'éloignait d'un gang qui voulait buter, tu vois. Surtout si, a priori, il n'avait pas vraiment fait des bails de fou. Mais justement, l'idée après, derrière, l'amende, c'est juste pour acheter la paix par rapport aux riverains qui sont autour et qui nous regardent. Oui, de toute façon, il a du fric en plus. Voilà. Ça va pas. Par contre, l'idée, c'est de lui donner une carte et de nous appeler s'il a d'autres
souci avec des gangs qui cherchent à le buter, etc. Peut-être que je suis un petit peu, voilà, mais je trouve ça un peu simpliste, son histoire de « Oh, je me baladais, puis pouf, il y a un gang qui m'a pris dans le nez », c'est pas un peu... Quelle profession il fait ? Il demande ? Ouais. Bon, tu vois qu'il est gêné, il sort sa carte professionnelle, il est attaché culturel à l'ambassade du Paraguay. Il a une... Clairement, il a une immunité diplomatique, le gars. Ok. Bon, on va lui donner une amende de toute façon. Hein, ça va être, ouais, il la fera sauter, c'est pas grave. Ah bah, en fait, il la paye. En fait, il sort son argent et il paye l'amende. Ok. Et ouais. Et vite fait, moi, je regarde pendant qu'ils sont en train de faire les papiers pour l'amende si la voiture est redémarrable ou quelque chose quoi. C'est, elle est en état de rouler. Allô. Ouais, on t'a roulé, mais bon, clairement, il va falloir qu'elle passe au garage et elle passera pas le contrôle technique cette année. Ouais, non, donc elle est en état de rouler, ça va. Enfin, ouais, après, ça serait mieux qu'il roule pas avec. On a, pas okay. besoin, on a besoin d'appeler la fourrière ou pas ? Non, je lui appelle une dépanneuse. Bon, il le fait, hein, de toute façon, si vous l'arrêtez pas. Il a quelqu'un qui veut venir le chercher. Bah oui, clairement, oui. C'est pas un problème. Excusez-moi, mais j'ai pas compris qu'est-ce que ça nous dit du gars qui est l'immunité diplomatique. Rien du tout, en fait. Juste qu'il travaille à l'ambassade. Ça se trouve, c'est un gars qui est dans des sales affaires, ou alors c'est juste Peut-être, mais dans tous les cas, on pourra rien faire. Hein, vous savez que, voilà. Donc, on lui donne une amende, il la paye très bien. On lui donne notre contact pour qu'il nous rappelle s'il a besoin d'aide. Il le fera peut-être. Et du coup, on en saura plus. Mais comment dire on connaît quelque chose de la géopolitique de son pays. Est-ce qu'ils sont très agressifs contre les cartels? Est-ce que pas du tout que est-ce là, que... sur le coup, tu t'en rappelles pas. Voilà. Est-ce que l'idée potentiellement, ça peut être une espèce de une tentative de kidnapping ou de d'intimidation oui, de son pays. Il y a des voilà. histoires de drogue, oui, avec le Paraguay. Hein. Ok, ouais, bah on voilà. peut au moins rédiger un rapport en me disant que c'est arrivé, comme ça, si jamais. Oui. De toute façon, intervention a un rapport. Hein. Non, mais ça, c'est mais sûr. Que, au moins, on sait que si jamais le mec il est rechopé, on a un précédent sur lui et voilà quoi. Mm-hmm. Bah, y a bah, l'amende a fait sert de ça. Hein. Aussi, oui. Et ouais, non. Moi, je me dis, lui, ça peut être bien de s'en faire en contact, parce que si quelqu'un essaie de le buter, bah, il pourra peut-être venir nous appeler à l'aide. Mmh. Voilà. Donc moi, je lui laisse ma carte, en plus du PV. Mmh. Parce que voilà. Hein. Parce qu'un contact supplémentaire. Ouais, bah, il l'apprend, en fait. Ok, et bah, on enchaîne. Hein. Est-ce qu'on n'irait pas se rasseoir sur le banc pour terminer notre bouffe tranquillement ? On était dans notre voiture. Oui. Ouais, bah, c'est malheureux. Du coup, on va terminer notre bouffe dans notre voiture, comme des pauvres keufs. C'est ce qu'on c'est est. Ça. Condamné à la malbouffe et à la grosse à cause du travail. De mémoire, vous n'êtes pas la malbouffe, vous avez tous pris, vous faites tous votre bouffe vous-même et c'est pas de la malbouffe. Ouais. Ouais, mais bon, on a un boulot stressant, tu vois, on mange parce qu'on est stressé aussi, tu vois. Et... Comme tu veux. Oui, tu sais, quand Soline elle est stressée, elle mange du céleri si tu veux, hein, donc ça va. Hein, On n'a pas la même façon d'être stressé, vous et moi. Hein. Quand je suis stressé, je fais du sport. Et je suis très stressé. Bon. Écoute, non, mais je suis hyper contente de savoir que vous avez des stress avec les meilleurs régimes de vie possibles, hein, c'est bien. Les gens sont extraterrestres. C'est-à-dire que. Le céleri, tu dépenses plus de calories à le manger que ce qu'il t'en apporte en fait. What? Comment? C'est quoi cette bah oui, ça a une valeur nutritive vraiment toute pourrie en fait le céleri. Donc du coup, je crois que. C'est plein de fibres, ça fait faire des caca merveilleux. Ah bah oui, mais ça t'apporte rien en fait. Enfin, je veux dire. Merci pour l'image du caca désolé, merveilleux. Elle quoi. A dit que ça faisait des caca merveilleux. Je suis désolé, ça devrait te parler. Voilà. Ça fait des caca papillons. C'est à toi que ça devrait parler, Chrome. Hein. Les petits poneys là et les machins tout kitsch avec des caca papillons, c'est pour toi. Hein. J'ai pas parlé papillons, moi. C'est moi qui ai dit du caca papillon. Mais... Pardon. Je veux dire, nutritivement parlant, ça apporte pas grand-chose. Alors, mais tu sors pas d'où tes statistiques sur le céleri, moi. J'aimerais savoir pour quel lobby tu travailles. Mais j'ai lu ça. Du céleri. C'est du céleri.
Ouais, bah, mais bon. Ça, on a remarqué, ouais. Bon, alors, on revient au truc. Qu'est-ce que vous faites l'après-midi? Bah, de toute façon, on est dans le... Ah non, c'est vrai. C'est bah, vrai, en c'est tout vrai. Cas, on débat pendant un moment de cette affaire de céleri. Hein. Ça, on a des désaccords et on perd un peu de temps. Non, moi, je serais plus pour chercher un peu sur... justement, il y a une question qui a été soulevée sur la... Sur comment sur la légiste, voir si les dossiers qu'elle falsifie, il n'y a que vraiment sur les. Enfin, c'est... je sais plus, en gros, vérifier vraiment plusieurs dossiers qui sont hors de des victimes supposées de. Comment de, comment il s'appelle, en fait, ce petit. Je l'ai dit tout à l'heure. L'euthanasor. Alors, tu veux faire quoi, rappelle prendre d'autres dossiers de la prendre d'autres mais dossiers ça, je t'ai dit il faut faire une saisie chez elle en fait enfin ah oui c'est vrai c'est une truc. Donc tu le feras quand tu l'auras arrêté Oui c'est vrai mais non mais en fait disons que pour revenir à ce qu'on devait faire Lynn, ce que j'ai proposé de faire en fait moi je travaille sur des gens des petits malfrats hein, qui sont chopés pour des trucs à la con. Et en fait, qui se font un peu genre cliner par des espèces de défenseurs du quartier qui enlèvent les malfrats. Et les mecs disparaissent du jour au lendemain. Et du coup, on enquêtait sur cette espèce de gang d'enleveurs de malfrats. Et du coup, l'idée où on était avec Juan, c'est de se faire passer pour des malfrats et de se faire arrêter. Donc, on va faire ça maintenant. Alors, pour Juan, ça va être facile. C'est bien. Mais il ressemble plus à un malfrat qu'un cop, c'est ça que tu veux dire? C'est quoi cette ségrégation, monsieur? C'est ça. Vous pourrez évidemment répéter, amplifier, déformer mes propos. Ouais, il n'y a pas besoin, ils étaient racistes tout seuls. Hein. Il n'y a pas besoin de nous. Tout va bien. Du coup, en fait, on va peut-être pas faire ça parce qu'on n'a pas le thème, quoi. À part si tu as des contacts, tu penses... mais sinon, je pense qu'on va rester là. Moi, je comprends pas trop le plan, mais... Quel plan? Qu'on voulait faire passer pour des trucs pour se faire niquer? Bah écoute, quand on en a parlé, c'était la seule idée que Juan il avait pour qu'on avance dans l'enquête. Ah, tu veux dire que c'était un plan de Juan? Oui, un plan de Juan. En général... Alors, déjà, il faut que quelqu'un... Alors, c'est Juan qui reste dans la bagnole, c'est ça? Okay. Qui est dans la camionnette, oui. Oui. Et Loki. Donc, sur l'histoire des Vigilantes. Voilà. Ouais. Batman. On n'avait pas du tout avancé. Hein. Franchement, on est au tout début de l'enquête. Hein. Non, mais je précise. Ouais, et tu peux faire un recap, s'il te plaît? Bah, voilà, c'est tout, en fait. Alors, je ne sais même plus quel quartier c'était. Pour en gros, c'était à Venice Beach. Les gens avaient fait un report sur le fait qu'il y avait de moins en moins de malfrats. Et après enquête, en fait, il se trouve qu'en fait, ils se sont déplacés de quartier parce qu'en fait, ils se faisaient tabasser dans le quartier par des gens. Là. Voilà. Donc Batman. Ouais, mais on est le jour, là. Ouais. Voilà le dilemme. C'est bon. Lem. Merci. Voilà. Du coup. Bah, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut attendre la nuit. Ouais, mais du coup, on va pas faire ça aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de dire, parce que là, on a d'autres, oui. D'autres chats sur le feu. Miaou. Côté. Du coup, on glandouille jusqu'à 15h à la fin de notre journée, quoi. Gandouille, on fait respecter l'ordre. Et la justice. Mais Ok. On glandouille en faisant respecter l'ordre et la justice. Ah, moi, ça me marre que vous attendiez jusqu'au lendemain. Ça, c'est vous qui me dites. Franchement, si on n'a pas grand chose à faire, moi, j'ai presque envie de patrouiller vers la boutique de mon copain. Comme ça, on va papoter dans sa boutique. Et puis, si on nous appelle, on bougera. Mais. Je vais vous faire un petit 10-18. Un petit 10-18 animalier. Ah non! Malier, animalier. Il n'y aura pas de mal aux animaux, ne t'inquiète pas. C'est enfin, qui ça cet animalier? Dans tous les cas, on vous appelle dans les hauteurs de Los Angeles. On va sauver un chat. C'est le premier scénario, ça. En fait, c'est une équipe de films qui vous appelle. Ils vous disent qu'il y a un souci sur un plateau de tournage et ils ont besoin de flics. En fait, ils ont appelé le central. Et vous êtes les plus proches, là, pour le coup, mais c'est quand même à quelques kilomètres, hein, donc vous n'êtes pas arrivé tout de suite. Ok. On n'a pas de précision ? L'équipe de film a dit qu'en gros, il y a des problèmes avec des animaux sur le plateau de tournage. Peut-être qu'il faut qu'on peut demander quel genre d'animaux c'est, on peut les rappeler ou je sais pas quoi. Bah, il te donne un numéro de téléphone.
Ok, bah on les appelle. Allô ? Allô, ici les cops. Vous nous avez appelé pour des problèmes avec des animaux ? Oui, alors, je parle pas très fort parce qu'ils sont juste autour de moi, là. Et pour le moment, ils sont calmes. Mais j'aimerais bien qu'on vienne me chercher. On a bien entendu. Est-ce que vous pouvez nous décrire les... Je suis là à... C'est une quinzaine de lions. Qu'est-ce que vous faites ? Très bien. Vous n'avez pas de... Normalement, les films sont censés avoir un dresseur sur place. Alors, c'est le réalisateur, le dresseur, mais là, il est parti pour faire une course. Il nous a laissé en plan. Et on est enfermé dans chez lui. Et à l'extérieur, il a des lions, alors pas dressés, mais apprivoisés. Et on a déjà eu plusieurs blessés. Et là, on aimerait bien qu'on vienne nous chercher, parce que ça fait déjà 2 heures qu'il ne s'est pas pointé. Et donc, on a appelé la police. D'accord. Il était parti où, le réalisateur ? Il a dit qu'il devait aller chercher de la pellicule et faire des courses pour nourrir les lions. Vous savez, et donc, on s'est dit que s'il devait nourrir les lions, on n'avait pas envie de sortir. D'accord. Et pour l'instant, est-ce que vous êtes en danger là où vous vous trouvez ? De temps en temps, il y a un lion qui gratte à la porte. On a vu ses griffes à travers la porte. Mais il n'est pas encore rentré. Oui. Donc, elle risque de céder. J'aimerais pas penser à l'idée, en fait. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose pour calfeuter la porte le temps qu'on soit là ? Un matelas. Vous avez aucun autre meuble ? Voilà. Disons qu'il y avait des meubles, mais sur les 2 dernières prises, les lions ont cassé les meubles. Vous prenez les plus vieux d'entre vous et vous les mettez... vous prenez le bois et vous faites du feu. Ça va les éloigner. Hein. Ouais, c'est pas cool. Oui, mais là, on est dans une baraque en bois. Ok. Ouais. Bon, je mets champignons, j'ai compris. Bah, on arrive le plus vite possible. Est-ce qu'on peut appeler un service animalier ? Ah ben, on va appeler la canine. Vous avez en fait, la canine, hein, c'est le service animalier du LAPD. Parce que là, il va nous falloir des fusées qui endorent les gens. Ouais, des fusées hypodermiques. Alors, puis, il va falloir qu'il se prenne une sacrée rouste, le chef de ma Moi, je regarde s'il y a une boucherie pas très loin. Ouais, moi je pense que en vrai nous route. On peut rien faire pour eux et c'est à la canine de faire des trucs pour les gens parce que enfin genre bah, en fait ce que tu vas apprendre c'est que tu en gros vous êtes à quoi ? Allez, à 5 minutes de bagnole, la canine sera pas là avant 30 minutes 1 heure en fait, le temps de tout préparer parce que c'est une intervention qui va demander de la préparation. Ah merde, j'ai pas demandé combien il y avait de lions. 15, une quinzaine. Ah oui, c'est vrai. Bon bah on y va. Lynn veut s'arrêter à une boucherie prendre de la barbac, je pense. Ouais, oui. Bah c'est pas con, maintenant ouais. Ça reste dans Lynn. C'est qui paye Genre la personne qui a eu l'idée. La personne qui a eu l'idée. Moi je suis végétarienne, ça me fait chier d'avoir sur mon compte bancaire une marque d'une boucherie, tu vois. Mais tu sais, c'est tu as eu l'idée. Hein. C'est comme le céleri. De quoi Ça n'a aucune valeur éthique, mais on en a besoin, là. Bah ouais, mais bon. C'est pas moi qui ai peur des lions, hein. Moi non plus. Alors moi, que si t'en as 15 qui te foncent dessus, tu vas avoir peur. Ouais, bah j'aurai le temps d'en buter quelques-uns avant, hein. Je partirai pas toute seule, hein. Cette espèce de virilisme animalier. Bon, allez, Lynn, achète la barbacane. De toute façon, ils sont 15, il faudrait au moins... Bah, faut une demi-vache, quoi. Deux carcasses, quoi. Ouais, c'est pas long, hein. Et au prix du porc, enfin, au prix du bœuf, ça va me coûter cher, quand même, cette merde. Hein. Mais ils vont nous rembourser. Oh, t'en payes une, j'en paye une. Oh, non. C'est bon, si ça te fait Comment plaisir. Ça, ils nous remboursent pas ? Ça, c'est les frais du métier, ça. Non, ils nous remboursent que dalle, hein. Sérieux ? Non, mais c'est vrai. Oui. Oui, bah oui, comment c'est ça se fait ? Parce que c'est la vraie vie, quoi. Bienvenue aux États-Unis. C'est ça. Moi, je vais râler. Hein. Moi, je vais aller taper du poing sur la table pour qu'on nous rembourse à la barbac. Hein. Ouais, bah, après, peut-être que la production nous le remboursera, mais pas la police. Hein. Oui. Bon, bah, on va acheter de la viande. Moi aussi, je vais mettre la main à la poche. Hein. On demande une facture. De combien ? Oui, vous demandez une facture si vous voulez, mais vous mettez combien sur la table ? Bah, moi, je mets 100 balles. Hein. Ouf, plus que ça. Hein. Attends. Je mets 300. Facile. Mais vous êtes fou ou quoi ? Vous voulez être endetté ? Non. Bah, je vais mettre... je pense qu'il faut mettre 2 000 $ au moins. Bon, bah, ok. Je mets 1 000, tu mets 1 000 ? Mais non, mais j'ai dit que je participais. Arrête de faire le grand seigneur, là. Ouais, c'est bon, vas-y. Je mets 1 000.
Parce que le prix du bœuf, c'est dans les 25-30 euros par kilo. Une carcasse, ça, on doit bien en faire 50 ou 100. Et attendez, les gens, 100, mais... comment on va balader la carcasse? Bah, dans le coffre. La... Et ça va rentrer? Hein? Bah, tu vas baisser les sièges, ça va rentrer, c'est juste que ça va puer au bout d'un moment. Oui, c'est ça. Et le boucher, il nous la livre, là. Et le problème, c'est que j'ai... Il y a rien. Si vous payez, sur la somme que vous payez, le boucher peut venir avec sa son camion frigo. Bah ouais, je connais pas. Bon, par contre, quand il va voir les lions, vous attendez pas qu'il reste, hein. Non, parce qu'il non, est pas au courant, je pense. Bah, moi, une carcasse, c'est pas très gros, hein, si tu le mets dans le coffre. De toute façon, les lions, ça bouffe des animaux crus, hein, ça va. Hein, non, pas... le boucher nous l'amène, là. Ça suffit. Bon, c'est pas très... Moi, ça me va. Alors, qui monte avec le boucher pour... Vas-y, moi, je monte avec lui. Au cas où. Parce qu'il va pas... Parce que je pense qu'il va ouvrir la porte et il va se barrer. Tu vois, bah, après, il peut les laisser par terre, hein, je veux dire. C'est pas grave, hein. Nous, on les prend, on les jette à l'intérieur de l'enclos. Ouais. Okay. Je suppose qu'il y a un enclos quand même. Une... Donc vous arrivez sur place avec les deux véhicules. Ouais. Alors sur place, c'est un espèce de. C'est dans les hauteurs de Los Angeles, c'est une propriété privée, c'est un espèce de ranch en fait. Vous voyez la propriété qui est au milieu, qui est une énorme baraque en bois, un peu manoir. Okay. Et il y a un gars qui y a une voiture en fait. Vous voyez en fait, il y a un mec qui est à pied. Et vous voyez en effet, ouais, vous voyez. Une dizaine de lions à l'extérieur et le mec il va faire des papouilles aux lions. Attends, on a acheté la barbecue pour rien. Peut-être. Bref. Bah. La porte est fermée devant vous pour l'instant. Ouais. Bah on sonne. On va voir le monsieur. Ah, le monsieur est déjà dans la propriété mais il est à portée de voix. Monsieur, police. Donc, on peut vous parler ? Il se retourne, tu vois qu'il a la tête un peu en sang, il fait « Hey, il te fait coucou !»« Sortez de là, monsieur, c'est urgent !»« Vous m'inquiétez pas, je les connais tous, c'est comme si c'est moi qui les avais élevés !» Ah putain, ça me fait trop penser au documentaire, là. Bon. Pendant que vous distrayez l'éleveur ensanglanté, mais... je prends une barbaque et je vais la poser. Mais non, mais non ! Non, attends. Que... moi je dis au mec, il y a un problème avec le tournage, vous avez pas les autorisations machin. Mais si, vous inquiétez pas, c'est une propriété privée, je peux faire ce que je veux. Est-ce que c'est vrai? Kidnapper des gens, ça, c'est pas faire ce que vous voulez, monsieur. C'est mon équipe de tournage, ils s'habituent au faux, vous inquiétez pas. Non, nous on nous a appelé pour kidnapping, vous venez et là je sors mon gun. C'est pas kidnapping, c'est séquestration. On s'en fout, séquestration, on nous a appelé pour séquestration. Je sors mon gun et je suis en mode, en fait, où vous venez, où moi je démarre le feu. Bon, tu vois qu'il s'approche, puis il se pète la gueule, il y a les lions qui lui sautent dessus. Oh putain! C'est pour ça que moi, pendant que vous êtes en train de discuter, je m'occupe d'une barbaque. Hein. Moi, je fais un tir préventif pour. Mais surtout, mets la barbaque loin en fait. Oui, c'est ça. Ouais, bah, il les balance loin pour que vous puissiez. Bah les lions qui vont voir ta barbaque, tu tires en l'air pour faire peur ça? Ouais. Bah les lions s'éloignent en fait. Hein, oui. Le mec il se réveille, vous inquiétez pas, ils sont joueurs. Je vais rentrer. Tu vois qu'il a le bras un peu en sang en fait. Je vais sortir de là parce que... Ok, tu vas sortir de là et bah moi j'appelle des soins psychiatriques. Tu peux d'abord appeler une vraie ambulance d'abord pour le soigner. Ouais bah j'appelle les deux parce que le mec il m'a l'air clairement pas dans son état normal. Hein. Ok. J'attrape le Gus et je dis en gueulant autour de vers la porte les lions sont occupés, vous pouvez sortir vite. Non, c'est pas une bonne idée. T'imagines les lions, ils se désoccupent autant puisqu'on les a occupés un moment. Les lions, on m'attend la canine. Ils vont mettre du temps à bouffer, ils vont faire une sieste après. Wedge, t'es en train de jouer avec les lions avec la clôture entre toi et les lions. Ah bah ça c'est Wedge. Hein. Je pose la question. Bah moi j'essaie. Il t'en reste encore de la barbaque hein, dans le camion. Oui, bah, je cherche la deuxième pour qu'il... Et puis que je décale un peu aussi comparé à la première que j'ai. Je veux pas attendre de la balancer quand on voit que les lions se réintéressent à la maison, de les laisser occuper le temps qu'eux et qu'on leur redonne que si on... Ils sont 15 et il y a qu'une seule barbaque. Crois-moi, ils vont se battre entre eux là pour savoir... Piste, là. Oui, hein, c'est ça. Mais on attend qu'ils commencent à retourner vers la maison pour leur filer. C'est ça, juste mon propos. Ils sont en train de se battre pour non, savoir... Non, ils ne battent pas. Il se chamaille. Ou comme dirait le mec, mais vous inquiétez pas, il joue. Ouais.
Bon, le mec, tu arrives à l'évacuer, mais il vous dit, mais laissez-moi, c'est... vous inquiétez pas, ils sont un peu joueurs. Lions, si tu veux. Non, mais en fait, vous êtes sous arrestation, donc vous arrêtez de me dire tout va bien, ne vous inquiétez pas, là, vous êtes sous arrestation de la police, donc vous avez le droit de garder votre silence et je décline ses droits. Tu lis ses droits et... Oui. Pour commencer à me casser les couilles. Et tu lui mets des menottes. Voilà. Il aime ça. Et ah non, ouais, non, j'ai pas dit ça. Non, ouais, je vois pas. Qu'il y a un lion qui se prépare à bondir au-dessus de la truc. A priori, il a vu qu'il y avait un tas de barbacs de l'autre côté du ranch. Enfin, ouais, bah, je vais vite fait la balancer. Fais-moi un jet de lancer, tiens. Hein, tiens. Coordination lancée. Attends, lancer, c'est où, en fait ? Si tu fais 0, elle te revient dans tes mains. Avec un lion. Ah, intéressant. C'est juste pour pas te mettre la pression. Faut pas mettre la pression, faut la boire. Je fais ok, deux. Ça passe au-dessus, pas de soucis. Mais moi, je pense que c'est une mauvaise idée de les laisser à l'intérieur. Hein. Les mecs, faut les faire sortir tant que les lions sont occupés, là. Bah, tu sais qu'il y en a 15, et là, t'en vois que 10, en fait. Donc, il y en a 5 lions qui sont quelque part dans la propriété, potentiellement dans la maison qui est grande ouverte. Bah ouais. Oh, merde. Est-ce qu'on peut appeler la canine et voir où ils en sont ? Ils seront là d'ici 10-15 minutes. Bon. Problème, c'est qu'il y a un bouchon sur l'autoroute et que malgré les gyrophares, il y a de ces connards qui sont en train de s'insulter et qui veulent pas bouger. Ok, moi j'appelle les gens à l'intérieur. Ouais. J'appelle les gens à l'intérieur déjà pour leur dire qu'on est là et pour savoir où ils en sont, eux. Ça va pas répondre. Alors t'appelles, il dit... Alors t'entends des gros bruits, il y a une patte de lion à travers la porte, on est derrière le matelas de l'autre côté de la pièce. Oh putain... Bon. Si vous pouvez venir, ça serait pas mal, là, tout de suite, maintenant. Il y a pas moyen d'aller sur le toit. Je prends mon bouclier. De la maison. Ah oui, le toit. Par contre. Pour vous, oui, pour eux, non. Il n'y a qu'une porte et ils peuvent pas sortir. Je vais voir le propriétaire, est-ce qu'il a des armes tranquillisantes quelque part chez lui, en fait ? Ce serait le minimum, d'ailleurs. Bah, il te dit... Non, majoritairement, les tranquillisants, je leur mets dans la viande. What ? Et ils sont où ? Bah, dans l'infirmerie, dans la maison. Ok, bah, on a balancé toute la viande. Mais venez, ouais, bah, le temps. Ils sont un peu joueurs, mais c'est pas bien méchant. Alors, pendant qu'ils sont 10 occupés sur la truc. Ok, bon. Bouclier, faut que j'aille à la maison, faut que j'aille sortir les mecs. Alors, t'as Aria qui fait un ouf désapprobateur. Moi, je suis. Oui, je suis d'accord, c'est un plan de merde, mais tu veux que. Non, mais de toute façon, on n'a pas fait, le choix. Non, mais attendez, vous êtes sérieux, moi je vais pas me sacrifier pour la cause, hein, je vais pas mourir. Hein. Bah écoute, chacun son engagement. Hein. Non, mais on n'est pas prêt à affronter des lions sur commande, hein. Je sais pas où ouais, est-ce que mais là, on n'a pas 10-15 minutes. Bah ouais, mais en fait, je préfère que ce soit des inconnus qui meurent plutôt que moi. Hein. Je suis désolée que vous avez une vie privée merdique, mais moi non, en l'occurrence. Bah j'ai pas une vie privée merdique. Mais qu'est-ce que tu fais, Wedge ? Enfin, je vais pas me sacrifier, en fait. Je vais pas me sacrifier ? Ou on trouve une solution un peu plus sécure pour nous de rentrer à l'intérieur, ou tant pis, enfin, ces gens mourront, moi, je peux pas les sauver. Okay. Non, mais très bien, on a compris ton point de vue, nous, on y va, point. Voilà. Donc, du coup... Supervise ! Ok, bah, je fais l'agent de liaison. Je demande... En même temps, tu peux balancer de la barbac aux lions qui sont déjà à l'extérieur pour pas qu'ils aillent les embêter quand ils vont dans la maison. Oui. Ouais. Je me dis que ça va les tuer. Est-ce que je demande au gars où est la pharmacie dans l'appartement et t'explique que c'est au premier étage. Enfin, il te dit voilà où c'est. Ouais. Okay. Bon, bah, du coup, on y va. Oreillettes pour rester en contact. On avait juste les Toki. Vous avez en fait de base les Toki en fait sont des oreillettes. Hein. C'est porté sur la casquette hein, le truc. Ok, bah du coup comme ça vous restez en contact et vous me décrivez comment ça se passe et comme ça quand la canine arrive je pourrais donner les meilleures informations. Oui, pas de soucis. Oh, okay. On y va tous les deux, Denis. T'as quoi comme grenade ? Flash et fumée. Du coup, on fait quoi ? Je vous envoie un fumée. Mais la fumée... Attends, la fumée peut être pas mal parce que le lion peut croire que c'est un début de feu et il va se barrer. En même temps, est-ce qu'on peut pas juste faire un début de feu ? Je pense que la flash, ça va vraiment le faire chier, en fait. Le lion, je pense qu'il va pleurer, en fait. Hein. Oui, aussi. Il va partir, donc ouais. Je t'en prends une, au cas où. Pas de problème. Par sécurité, et Et non, mais attendez, là, vous allez rentrer dans la fosse, donc est-ce que vous voulez pas carrément que moi, là, je la balance pour que vous puissiez traverser tranquille ? Non, t'inquiète, ils sont déjà occupés. Ouais, on y va. Au cas où, j'en prends une, comme ça, même si vous devez revenir, s'ils sont plus occupés, quand vous revenez... T'en as combien, Denis, de grenades fumées ?
Deux fumis, deux flashs à chaque fois. Ok. De base. Coup, la dotation de base que j'ai de base. Alors, la flash, ça fait un boucan d'enfer, je rappelle. Hein, donc, ouais. Pour faire peur à des animaux, ça marche très très bien la flash. Hein. Bah oui. C'est pour ça que, tu sais, on va aller jusqu'à la maison, la porte ouverte, on balance la flash. Non, mais on perd du temps à discuter là, on y va à point. Non, allez, c'est pas grave si on. Non, moi, vous Zou, stop, non, allez, Zou, go. Non, mais en fait, je te retiens par la manche, tu ne peux pas partir. Non, tu me retiens, sérieusement? Oui. Non, mais est-ce que tu donnes à Mike une grenade? C'est ce que Mike te demande. Bah oui, tu peux prendre. Moi je suis contre, parce qu'on ne sait pas si on aura peut-être plus besoin dehors. Enfin, c'est dedans. Vrai, on en aura peut-être plus besoin à l'intérieur. Bon, bah, Mike, t'as autre, toujours ton arme à feu pour tirer en l'air, ça avait marché la première fois. Ouais, mais passe-moi une fumier au cas où. Bon, bah, ça monte bien, mais. Ouais, non, mais il faudra que tu la lances vraiment sur les lions, quoi. Parce qu'en plus, je suppose que t'as pas lancé en fait. T'as combien en lancé? Tout simplement, d'un point de vue roleplay. Non, j'ai pas. 7 de base, je crois. Non, c'est 10 de base. C'est 10 de base. C'est 10 de base. Ouais. Bon. Ah, ok. On y va tous les deux, t'as le bouclier, moi je te couvre, et puis les fauves qui sont à l'extérieur avec de la viande et ton arme à la main, si des fois ils sont un peu trop... Au pire, tu prends une branche sur le grillage. Hein. C'est du bruit. Hein. Les autres, vous allez... plus ou moins rapidement jusqu'à la maison. Ouais. Arrivé dans la maison, vous êtes dans une espèce de grand hall. Alors, je rentre pas tout de suite dans la maison. Moi, je suis pour balancer déjà une flash. Pour pas regarder déjà jeter un œil. Non, moi je pense qu'il faut envoyer à l'endroit où il y a les hommes, en fait. Pour les faire fuir de la porte où il y a les hommes réfugiés. Enfin, les hommes femmes. Quoi. C'est simple. Hein. Quand vous regardez à l'intérieur rapidement, il y a un grand hall. Il y a un escalier central qui monte sur un espèce de balcon. Sur le balcon, il y a deux lions qui sont en train de qui sont posés tranquilles. Et en bas, il y a un troisième lion qui lui est en train d'essayer de mordiller une porte qui est à moitié défoncée. Bon. Eh bien, on jette la grenade sur lui. Il se casse et on rentre. Ça va réveiller les deux autres qui vont aussi se casser. En fait, le truc c'est que on est chacun du côté de la porte. Je balance la grenade et on les laisse sortir quoi. Faut surtout pas leur bloquer l'accès, quoi. Deux. C'est facile, tu fais un jet de coordination lancée. Moi, juste le plan que je veux savoir, c'est... Nous, on rentre et on tient jusqu'à ce que la canne arrive, ou on rentre et on les fait sortir, les mecs. Enfin, les humains. Alors, non. je te redis, on ne bloque pas l'accès au lion. C'est pas ce que Obi a demandé. Ça répond pas à ma question, hein. Ça me répond pas du tout à ma question. Et ensuite, on essaie de. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Moi, j'aurais tendance à dire, on fait péter la grenade. Les lions se cassent, on rentre et on met ton bouclier en renfort de la porte et on attend que la canine arrive. Ouais, on fait ça. Et comme ça, on garde safe les humains. Et au pire, si les lions rentrent, on les bute. Ok, on fait ça. Et sur le chemin, en fait, je viens de penser, mais il faut que j'appelle le gars qu'on a le numéro pour lui dire. Bouchez-vous les oreilles, fermez les yeux, va y avoir une flash. Oh, on va le gueuler, ça, c'est pas grave. Oui, tu gueules flash. Oui, je gueule flash. Puis, c'est pas grave s'il perd un peu d'audition, au moins il sera vivant. Oui, c'est ça. La canine, Chrome. Je te le dis quand ils arrivent. Okay. Parce que nous, on peut ouvrir une poignée, tu vois. Donc, a priori. Denis. Deux. Okay. Tu peux dépenser un point d'ancienneté. Non, mais c'est réussi, c'est pas c'est difficile. La flash explose. Le lion qui est à côté de la flash, lui, il est carrément sonné. Alors, il court dans un mur, il se frappe dans le mur. Ceux qui sont en haut, en fait, se cassent dans les... Ok, bah on court. On court jusqu'à la porte. Alors, Denis, tu me fais un jet de carrure pour finir de défoncer la porte et rentrer. Alors, si on peut ne pas la défoncer complètement. Oui, genre, mais il faut quand même y aller en rentrer. on veut taper, en fait, pour qu'il nous laisse rentrer, en fait. Hein. Mais en fait, elle est coincée, la porte, donc il va falloir quand même... Là. Après, d'accord. Tu pourras la remettre en place, mais ça va être Denis qui va tenir avec ton bouclier. Mais voilà. Oui. Donc, carrure. Ok, vous rentrez. Les mecs, ils sont derrière. Oh putain, ils viennent de perdre encore que 10 ans d'expérience de vie. Là. Il y a une petite odeur quand même. Hein. Et vous bloquez la porte. Et je replace la porte, ouais. Et puis avec un bouclier derrière. Ok, moi je vous contacte en disant est-ce que tout va bien, vous êtes en sécurité. C'est bon. Pour le moment. Ok. Toi, tu vois de l'extérieur qu'il y a trois lions qui sont barrés de la maison.
Mais il y a aucun lion qui essaie de sortir de la propriété ou je sais pas quoi. Bah en fait, réellement, en fait, à chaque fois, vous avez fermé pour pas qu'ils sortent et c'est pas praticable. À part s'ils veulent bondir au-dessus, mais ils ont l'air quand même bien d'avoir mangé quand même, donc ils sont pas. Ils sont pas vénères là. Bah, ils sont un peu paniqués à cause des coups de feu, de la flash, etc. Mais ils ont pas cherché. La propriété est grande, donc au pire, ils se baladent dans la propriété. Hein. Ouais, il en manque toujours deux quand même. Hein. Ouais. Comment ça, il en manque deux? Je croyais qu'on les avait tous, ça. C'était bon. 10 15. Dehors, 3 qui sont sortis de la maison. Et 2 qui ont été planqués dans les chambres, je te rappelle. Ah oui, 2, okay, bah, c'est bon, on les a tous. Voilà. Donc, la canine arrive. T'as plusieurs véhicules de la canine qui se garent, ainsi que des véhicules de préservation de la vie sauvage et des eaux, des environs, qui arrivent à peu près dans un intervalle assez court. Bah, en gros, bah, il te demande de la situation. Mike ? Ouais. Alors, on a deux agents à l'intérieur. On a un total de 15 lions, 2 à l'intérieur. Et une dizaine en liberté sur le territoire, enfin sur la propriété. Derrière, t'as le gars qui dit « Vous inquiétez pas, ils sont apprivoisés !» Non, mais lui, on appelle les soins psychiatriques, donc l'écoutez pas. Et, et du coup, les deux agents à l'intérieur tiennent une porte qu'ils ont réussi à maintenir un petit peu temporairement, okay, avec leur bouclier. Et il y a combien de fauves ? On en a 15. Ok, il demande, il va voir le propriétaire, combien vous avez de lions ? Ah bah, j'en ai 15. Donc bon, bah, en gros, on compte 15 en espérant que personne s'est trompé. Oh, dans tous les cas, bah, ils prennent le temps, mais en gros, ouais, ils endorment les lions un par un à la fléchette hypodermique, avant en fait de les confier à... En fait, au fusil ou à la sarbacane ? Au fusil, monsieur. Fusil pneumatique. C'est quoi cette question ? Non, mais ça peut être rigolo, la sarbacane. Ça peut être... Ouais. faut avoir de l'espoir, hein, quand même. Hein. Oh, ça doit pouvoir se faire. Hein, mais... Je pense que t'énerves plus le lion que tu l'endors. Hein. Mais dans tous les cas, en fait, bon, ça prend ouais, une bonne heure. Parce que bah, ils prennent pas de risques. On vérifie assez régulièrement que bah, vous n'êtes pas en danger. Mais a priori, les lions sont occupés, surtout que bah, avec la viande que vous avez ramenée, ils s'en servent aussi pour les attirer. Hein. Bah, on va d'ailleurs peut-être demander au mec de nous rembourser la viande. Hein. Quand il ira mieux au niveau bah, de la tête. De toute façon, parce que ça va être une décision de juge. D'accord. Pat. Mais dans tous les cas, comment ça s'appelle ? Une heure plus tard, le mec est déjà parti en ambulance. Hein. Les lions sont tous endormis et les secours prennent en charge bah, les blessés, quoi. Et donc, le gars vous explique que le propriétaire ici adorait les lions. Il voulait faire un docu-fiction, en fait, dans sa propriété, avec une quinzaine de lions, sa femme, son gosse, et les équipes de tournage. Ils avaient déjà une cinquantaine de blessés. Et là, ils nous avaient laissé, en fait, pour que les lions apprennent à mieux nous connaître et nous avaient enfermés. Franchement, et donc, il va porter plainte, bizarrement. Oui. Tu t'es inspiré du documentaire. Hein. Oui, c'est une histoire vraie en fait. Hein. Oui, je trouve que. Tu parles du docu là, ouais, c'est ça. C'est pas un documentaire, c'est une fiction. Non, je parle de documentaire moi. Non, non, c'est pas. Moi, je m'inspire d'une vraie fiction qui est Roar, qui est un film qui a été tourné, genre, je sais plus, dans les années 60 ou 70, dans une villa en Californie. Parce qu'il faut que vous voyez le documentaire. Si vous voyez pas le documentaire, c'est exactement ce que vous venez raconter, mais c'est vrai, c'est aux États-Unis. Et c'est un vrai truc comme ça. Et c'est ça. D'accord. Parce que moi, je pense que vous parlez de la même chose. Hein, mais oui, je pense aussi. Mais en fait, le truc, c'est que c'est un film. Et après, ils ont sorti. Il a été réédité sous la forme du nombre de blessés qui a été fait. Mais non, pas du tout. Moi, je te parle d'un documentaire qui est fait sur le fait des propriétaires de tigres aux États-Unis et de lions. Mmh. Et sur les différents lieux qui ont des tigres et des lions aux États-Unis. Okay. Et dans ces lieux, il y a un mec qui est homosexuel, qui est super délirant, qui a un look complètement improbable et qui récupère un peu tous les ex-tolars du coin tout en se tapant des espèces de dieux grecs australiens et qui a plein de lions et qui fait tourner son parc avec 3 bouts de ficelle et régulièrement il y a des blessés. Et ça, c'est un vrai documentaire aux États-Unis sur le milieu. Ouais. En 81, il y a un film qui s'appelle Roar qui est sorti où j'ai compris ce que tu veux dire, mais voilà. C'est marrant, c'est que moi, c'est le truc auquel je fais référence, c'est un vrai bail, quoi, tu vois.
Et moi aussi, en fait, c'est ça que t'as pas compris encore. Putain, on se comprend pas, merde. Non, mais c'est que, quand je dis que c'est une fiction, le mec a vécu vraiment avec des tigres chez lui, qu'il avait ah oui, apprivoisé. C'est une fiction autobiographique, quoi. C'est pas autobiographique, c'est pris de passion. Il voulait faire une fiction. Lions. D'accord, et ouais. Il a décidé de faire une fiction sur ça. Ok, c'est bon, j'ai compris. Mais du coup, je vous conseille le truc Netflix dont je vous ai parlé, là, c'est incroyable. Et la presse a surnommé le film que je parlais le film le plus dangereux du cinéma. Il y a eu 70 membres de l'équipe qui ont été blessés pendant le cours de tournage. C'est vraiment dégueulasse. Ah, donc, en gros, t'as regardé le fossoyeur de film. Ouais, bravo. J'ai regardé le fossoyeur de film, parce qu'il en a parlé il n'y a pas longtemps. Ah, et t'as un des passé, acteurs, je crois, ou le réalisateur qui chope la gangrène pendant le tournage suite à des morsures de lion, etc. Enfin, oh là 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 là. Non, mais c'est une folie, le truc. Hein. D'accord. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait faire un 10-18 animalier sympathique. Ah, mais grave. Retour à l'enquête. lendemain matin, vous faites le roll call. Je passe directement au lendemain. Ouais. Il n'y a pas spécialement de choses à faire en plus. Est-ce que je vous mets directement... Est-ce que vous avez un truc à faire dans la journée ou je vous mets directement au soir, genre 20h50, 10 minutes avant... Ouais, vas-y, là, ça sera plus vite. Ouais. Ok. Donc, je considère que Juan... On est quel jour? Vous êtes samedi. Non, mais le combien? Parce que du coup... c'est pas drôle, en fait. Hein. Je pensais que tu saurais carré quelque chose. Le 20 mais... Alors, attends. Oui, on est samedi 20. J'ai un casting aujourd'hui, moi. Donc, dans la journée, je fais mon casting, et après, oui. Vas-y, fais-moi tes jets de... Faire pas le nord, hein, monsieur Obi. Hein. Ah bah non. Moi, j'ai pas peur de quelques lions, moi. Ouais, enfin, si c'est un casting pour ça. Mais t'as pas de vie privée, donc c'est normal que t'aies pas peur. Moi, donc, contrairement à vous, je suis pas une pauvre âme célibataire. Hein. Bah, moi, je suis célibataire, mais pas Wedge. Hein. Pas de pas, le, pas, pas mon personnage. Hein. Je te rappelle que j'ai. Est-ce que t'es heureux en couple? Il est papa, mais il veut être sûr que sa fille grandisse dans un monde bien, meilleur. C'est ça. Bah oui. Tout à fait, moi aussi, et dans lequel moi je suis vivant dedans pour être toujours le compagnon de mon mari. Voilà, c'est un peu ça notre objectif de couple. Je sais que c'est un peu trivial, hein, vouloir rester en vie et tout ça. Non, mais le truc, c'est que moi, j'ai pas douté du fait que j'allais survivre. Du coup, c'est quoi le G? Ton fait social. Check. Non, c'est pas la bonne commande. Il faut enlever le B. Voilà. Yeah. 5 succès. Ah, vous avez peur, hein. Alors, fais le culotte, là. Et après, tu veux que je t'en fasse un deuxième en éloquence? En déguisement? Ouais, vas-y, l'un ou l'autre, vas-y. Mais sans froid. Sans froid, déguisement? Ah, c'est sympa, ouais. Ça. Je trouve ça rigolo. Bon, c'est pas ouf, mais pourtant j'ai un bon jet, mais d'habitude, mais voilà. Alors, clairement, ils sont impressionnés. C'est ce qu'ils te disent, hein. Oui. ils gardent ta carte, mais ils te disent qu'en fait, le rôle, pense pas que ça te conviendrait, mais ils te rappelleront sur d'autres castings. Très bien. Voilà. Voilà, et puis bah, après, on va aller arrêter le sniper. Voilà. Alors, Juan n'étant pas là, je me permets quand même juste de vous dire toute la journée, il va vous dire, au fait, n'oubliez pas, demain, je déménage. Oui. Hein, demain, je déménage. moi, normalement, j'avais prévenu mon copain de qu'on se libère pour être là tous les deux. Oui. Est-ce que j'ai pu recruter ma coloc ou ma meilleure amie pour aller faire le déménagement? Ouais. Je te laisse à ton appréciation, pour le coup. Bon, moi, ça me semblerait pas mal. Mais, Bah, ta coloc, je pense que oui, parce qu'elle connaît Juan. Ta meilleure amie, je pense qu'elle connaît pas Juan, en fait. Et qu'elle s'en bat un peu les couilles. Pas forcément. Des chances. Connaissant l'équipe machiavélique de Lynn, elle pourrait faire ça en disant, comme ça, je t'en devrais une. Ouais. Non, mais c'est plutôt pour passer du temps ensemble, quoi. Après, bah oui. Voilà, tu veux pas inviter tes amis à manger chez toi un bon coup, tu sais, genre, non, tu préfères les inviter. C'est ce qu'il fait déjà. C'est ce qu'il fait. Hein. Son personnage le fait souvent. Ouais. Pour le coup. Non, mais après, c'est juste... De toute façon, moi, je vais au déménagement, je vais pas y rester 20 heures, tu vois. Je vais faire acte de présence, bonjour. On va faire 2-3 cartons, et puis voilà, quoi. Dans tous les cas, il est...
Il est moins 10. Vous êtes positionné où pour cette tape le bras pour une injection, là, ou bien? C'est pas le bras. Trois morts par un cardiaque dans une partie de drôle. Et alors... à titre d'info, ce que t'entends, c'est un pain contre mon genou. Voilà. La raison, c'était pas le bras. Oddly spécifique. je sais pas. Je suppose que Mike et Denise veulent être sur le toit pour pouvoir faire l'arrestation. Un pour les muscles et l'autre parce que c'est la chef de la oui. mission. Donc moi, j'aurais tendance à dire, je suis en bas. Attends, Mike. Moi j'ai bossé sur cette mission, du coup je sais pas c'est quoi les postes disponibles là. C'est toi qui choisis qui les met en fait les postes. Putain. Donc c'est toi qui. Donc on a deux équipes, on a une équipe qui va arrêter la meuf. Ça c'est fait. Ça on considère que c'est deux cops, okay. deux autres cops qui le font. Donc là il y a histoire, il faut une personne pour. On a quelqu'un qui fait le fusil là et on a une personne. En fait on va le cueillir sur le toit en fait concrètement. C'est ça. Donc il faut une personne qui mène l'assaut et peut-être une autre, enfin et deux autres quoi. Considère que vous avez deux cops, vous avez Sniper et Little Man qui sont là. Ok, alors moi j'ai pas des assez bonnes stats pour mener l'assaut, du coup je préfère que ça soit Denis ou Lynn qui mène l'assaut. Alors moi je demande, comme tu veux. Alors y a pas vraiment d'assaut à mener entre guillemets, on va aller sur le toit, on va un peu avant qu'il arrive et on va... En gros la question c'est est-ce que tu te positionnes sur le toit ou en bas de l'escalier si des fois les aides s'enfuient par le bas? En fait, c'est ça la question. Je pense que ce qui serait bien, c'est d'avoir des gens sur le toit et des gens pas sur le toit. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. En gros, bon, tu permets. Ça va là. Little Man et moi en haut et Lynn et Mike en bas. Ouais, bon, tu vas aller en bas avec Sniper avec. Il me parler comme ça en fait. Voilà. Du coup, tu vas aller en bas. Moi, je vais aller en tour d'expert là. Non, mais faut arrêter de tourner autour du pot au bout d'un moment. Hein. Ça va être simple. Hein. Ça va être simple. Tu vas en bas. Raison, ce serait ça. Vous faites quoi? Mais du coup, Juan, c'est notre sniper ou c'est Sniper notre sniper? J'ai pas compris. C'est Sniper notre sniper. Ok. C'est ça, hein? Ok. Moi, je veux pas en mettre une, mais disons que si Sniper est votre sniper, je mettrais bien Little Man en conduite au cas où. Enfin, il nous faut un conducteur au moins. Ouais. Dans une voiture, prêt pour à partir si le gars nous chope et veut se casser. Ron. Mais Ron, il est pas là. Il est dans une voiture, voilà. Ouais. Je pensais qu'il était hors de l'équation, mais du coup, s'il est dans l'équation, effectivement, voilà. Une personne en bas sur l'escalier pour fermer la marche, on va dire, mais qui doit se planquer, cette personne-là. Donc il doit se planquer dans une voiture, hein, tout simplement, ou dans la camionnette, quoi. Et après, deux personnes en haut. Bon, alors les personnes en haut, une. Ce sera moi et Lynn, et la personne en bas, c'est Denis. Ok, on est bon? C'est parti? Ça me va. Bon, okay. Allons-y. Hein. Pauvre Denis. Ah, il a cherché. Non, mais... Il a cherché à trouver. Faut arrêter au bout de se prendre la tête, et puis le plan est simple, quoi. Bah oui, ça, c'est vraiment une méthode qui fonctionne, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que tout le monde fait ça. On fonce à tête baissée, et puis... Tête baissée, là. Hein. Dans tous les cas, vous vous êtes mis en position. Denis, toi, tu t'es planqué en bas pour le cueillir si des fois il redescend. Ouais, dans une poubelle. Okay. Moi, je m'attendais à Denis à un angle de maison avec une matraque à la main, prêt à défoncer une cage thoracique. Parce que techniquement, le mec il se trimballe avec un étui à guitare qui est un peu trop grand et qui monte l'escalier de secours. Il risque pas d'avoir 18. C'est ça. L'idée c'est que a priori, si tu peux lui fermer la marche derrière, quoi. Ouais, bon, pas de problème. Ok. Denis, tu me fais un jet de perception instantly. Attends. Le maître mot, c'est discrétion, hein, tant qu'il est. J'ai toujours pas là. Armitorac. 5 réussites. Ça, c'est la discrétion marche pas. Hein.
Non, c'est l'instant... Oui, c'est l'instant. Alors... Donc, combien t'as dit ? 5 réussites. Ouais, donc bien réussi, quoi. Clairement, en fait, t'entends le bruit d'une voiture. Tu t'es caché derrière une poubelle dans un coin bien dans l'obscurité. T'entends une voiture, en fait, qui se gare. T'entends une porte qui s'ouvre, qui se ferme. Un nouveau... Puis... T'entends après, tu me dis si tu fais quelque chose, hein. Un coffre qui s'ouvre, puis qui se ferme, et t'entends le bruit de l'échelle, quelqu'un qui monte à l'échelle de secours. Alors la seule chose que je fais, c'est un petit... c'est dans... Non, mais tu te... Oui, tu... Non, mais tu te... Tu te... Vous avez convenu d'un signe. Hein, oui. Donne le signal, quoi. En gros, donc, bah, on a entendu le signal, et du coup, bah, moi, je prépare mon arme, quoi, à le mettre en joue pour le cueillir direct. Ok, bah je prépare des menottes. Non, on fait l'inverse. C'est toi qui m'en joues parce que j'ai vraiment des mauvaises stats au tir. D'accord. Moi, je prépare les menottes et je prépare le gaz au cas où il nous fait chier. Voilà. Vous avez Sniper qui vous dit qu'il est en place et qui voit en fait une silhouette qui monte les escaliers et qui vous fait en fait des comptes de... Surarmé, le mec, on peut lui dérouiller la tronche. Bah, en fait, l'idée, c'est dès qu'il met la main sur... Est-ce que je peux m'allonger au bord de l'échelle? Et dès qu'il met la main sur la corniche du toit, en fait, bah, lui mettre la menotte. T'as le stage ou pas de menottage, toi? Ouais, moi, je l'ai. Non, moi, je l'ai pas. Bah du coup, Sir peut le faire. Ouais, bah, du coup, Mike, vas-y. Hein. Donc, en gros, tu mets une menotte à lui, puis à l'échelle, c'est ça? Ouais. Ou à toi, plus et lui? Non, à l'échelle. Non, toi, lui, c'est parce que s'il a l'échelle et qu'il tombe et que il se sectionne la main, il tombe et il meurt. Okay. Voilà. Bah, du coup, moi, lui. Au pire, je vais le rattraper. Bon. Donc, tu te mets une menotte et tu t'attends. Si tu vois sa main, en fait, tu vas vite mettre le truc et je pense que voilà. Ok. Okay, ça de toute façon, vous avez un décompte tout assez bas de sniper qui vous dit en fait. Combien de temps il est, donc vous savez, vous l'entendez, et vous l'entendez, même si c'est pas très fort, vous entendez quand même le bruit du. C'est un escalier en métal, donc c'est pas. On n'est pas perdu. Voilà. Et en effet, il y a une main qui apparaît en haut de l'échelle. C'est là qu'il faut que je me note. Bah oui, donc tu me fais tu me fais un jet de réflexe corps à corps, s'il te plaît. Oh là 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 là. La difficulté est de 2. Réflexe corps à corps. Ouf, c'est bon. Si tu fais 0, tu te menottes à l'échelle. Nul. Alors là, je me foutrais de ta gueule. Hein. Oh là là. Moi aussi. C'est réussi. Ça serait malsain si vous vous moquiez pas de moi. Hein. Donc, clairement, tu mets une menotte. Il a fait 1. Et bon, en gros, il a la tête qui sort. Dans le dos, il a bien une... A priori, il doit avoir le sniper, mais sous une... Qu'est-ce que tu fais, Lynn? Moi je fais un jet d'intimidation, je lui fais peur et je l'attrape pour le faire remonter sur le toit en fait, pour le coffrer comme police et LAPD, je suppose. Ouais, c'est ça. Ok. Et je déclare ses droits. Attends, déjà il va me faire son jet de 100 francs intimidation. Il va être résisté par le monsieur. Hein. Voilà, 4 de hey. Eh ben 5, je le bats. Ouais. Alors, qui c'est qui fait peur? Après, j'ai le higher ground, hein. Donc quelque part. I have a higher ground! Bah ouais, tu vous l'attrapez et vous le menottez. Le gars se laisse plutôt faire. À quoi il ressemble? Bah tu lui retires la cagoule parce qu'il a mis une cagoule. Et tu reconnais. Alors, tac, comment il s'appelle? C'est un des trois? Ouais, complètement. Ah, c'est un des trois vendeurs. Ouais. Roger. C'est un des trois assureurs. Bonngarten. C'est un des trois assureurs. Roger Bonngarten. Vieil homme sympathique et gentil. Attends, mais réponds-moi, c'est l'un des trois assureurs. Oui, c'est l'un des trois. Alors, pas des assureurs. Ouais, un des trois. Un des trois vendeurs d'assureurs. Commerciaux, quoi. Ouais. Un des trois commerciaux. Ah, putain, les commerciales, ils se salissaient les. Mais mots, je te l'ai toujours dit que c'était les écoles de commerce les pires. Donc, Pas de ça, on est convaincus. mais là, quand même, je suis choqué. Hein. Bon courage à ceux qui sont dans l'école de commerce. Ouais, non, allez vous niquer. Allez-y doucement, j'ai mal au dos. Mais il est trop détendu, non? Ah, il est assez détendu, malgré que Lynn, il a pas l'air...
Il a l'air d'avoir avoir. Il a un fusil chargé, je suppose. Enfin, il a une arme, des munitions. Alors, tu regardes. En effet, ouais, il a l'arme. Bah, les munitions sont à côté. Il faut qu'il charge l'arme, mais elle est pas chargée de base. Ouais, il a l'arme. Il a une deuxième arme sur lui. On lui enlève. Non, mais il est trop détendu là. Ils vont nous niquer. Je suis sûr, ils ont un bail légal à la con pour eux là. Bah, je pense qu'on va ramener là son arme à la balistique déjà, hein. Mais on va le redescendre hein, petit à petit. Il n'y a pas de descendre tout court. Ouais, puis, on demande. Est-ce qu'on a des nouvelles de la médecin si c'est son arrestation s'est bien passée? Ils te disent oui, ils l'ont embarqué et ils ont mis sous scellé tout l'endroit. Et on a des preuves du coup? Bah, c'est sous scellé, c'est-à-dire il faudra aller les chercher les preuves. C'est pas eux, ouais, on va y aller, on va envoyer quelqu'un les récupérer. Ouais, on dans tous les cas, il y a des scellés judiciaires et il faudra faire. Non, ce sera à vous d'y aller, mais parce que vous savez ce que vous cherchez. Mais ouais, dans tous les cas, ça sera fait le lendemain. Bah, vas-y, non? S'il y a besoin qu'il y ait un flic sur place toute la nuit, vous l'aurez, de toute façon. Okay. Bah ouais, Mike, tu peux y aller direct. Nous on descend le gars et puis on. Bah non, moi j'aurais bien mené l'interrogatoire en fait. Mais ils le font pas sans toi. C'est le but, mais le temps qu'on le charge dans le camion et tout, si toi tu pars maintenant de suite, tu peux aller récupérer les pièces à conviction qu'on a besoin directement dans le truc et on t'attend une demi-heure là-bas quoi. Ouais, bah j'y vais alors. Vous avez un message de sniper qui vous dit que c'était pas très passionnant. Désolé. Ouais. La prochaine fois, on mettra plus d'hémoglobine, on engagera des danseurs. Pas besoin. Ah ouais, mais c'est ça être bon en fait. En plus, c'était bon, en plus tu te rapproches de la cible quoi. Ah, mais les gens ils connaissent plus la perfection. Dans tous les cas, tu vas faire tes saisies. Mike, tu me fais un jet de. Perception scène de crime, difficulté 3. Que pour choisir les. En gros, pour bien sélectionner ce que tu saisis. Je suis chaud. Je reclasse le document. Il est 22h. La légiste et l'assureur sont en cellule. Oh, c'est merveilleux. Dans des cellules séparées. Oui, oui. Mais je dors sur place. Tu dors sur place, pourquoi? Ah oui, parce que sinon ils vont se barrer. Parce que c'est déjà arrivé qu'il y en a qui arrivent à s'échapper. Une fois, excuse-moi. Deux fois. Mais comment c'est possible? Pas plutôt trois? Comment c'est possible? C'est la magie du MJ. Donc là, pour le coup, si tu cherches un coup de pute du MJ, je te le présente, ça peut être ça. Voilà. Oh, les coups de pute tout de suite. Les pauvres putes, laissez-les tranquilles. Elles sont moins vicieuses que les MJ, ça c'est sûr et certain. Probablement. Dans tous les cas, vous avez aussi... Je vais vous raconter rapidement l'histoire aussi au substitut qui est debout. Ouais. Le substitut vous donne aussi un mandat pour aller perquisitionner toute la boîte d'assurance. Wow, trop bien. Bah ouais, clairement, c'est un mec de l'assurance. Est-ce qu'on y va de nuit ou On vous dit d'y aller maintenant. Enfin, d'y aller maintenant et de réveiller en fait l'avocat en fait de la boîte d'assurance pour qu'il soit là. Mais ouais, vous y allez maintenant parce que vous voulez pas que ça. Enfin, en tout cas, l'assureur, lui, il veut pas qu'il y ait de preuves qui disparaissent quoi. Ouais. On y va de suite. Pas la preuve, le suicide. Ouais. Ça va leur faire drôle, hein, au mec de nuit. Hein. Vous y passez, ça fait réveiller des gens, hein, clairement, parce qu'on va pas vous ouvrir comme ça. Mais au pire, vous enfoncez la porte parce que le substitut va le dire oui, en fait, hein, pour le coup. Ouais. Bah là, je pense que pas tout le monde est... pour ouvrir les portes. Dans tous les cas, ouais, vous... À part un monsieur qui dit que l'assurance, c'est moi, vous arrivez à rentrer et faire votre perquisition. El famoso. Mais ouais, vous perquisitionnez tous les dossiers de l'assurance. Ce qui fait que ça va vous faire beaucoup de lecture. Oui. On va bien s'amuser là. Oui. Trop bien. Je vais faire quoi plus tard? Lire des dossiers. Voilà, donc vous avez énormément de dossiers numériques et papier que vous avez récupérés. Ça vous a pris toute la nuit. On est le dimanche matin. Il y a Juan qui fait... déménagement.
et on s'arrêtera là vu qu'il est pas là et que j'aimerais savoir. Un déménagement sans lui. Déménagement. Voilà. C'est le fin mot de l'histoire. Ouais. Bon, il est que 23h, mais on s'arrêtera là pour ce soir, pour qu'il soit là la semaine prochaine aussi pour ça. Et pour la, et aussi pour le. Comment ça s'appelle l'interrogatoire. Ah bah ouais, ça, ça va être the big moment. À moins que vous voulez commencer l'interrogatoire maintenant, on termine sur l'interrogatoire. Mais... J'avoue, moi je suis un peu frustré, j'ai un peu envie de le faire, mais c'est comme vous voulez les autres si vous voulez en profiter. Ça me dérange pas. Ça me alors, dérange je vais pas le faire en entier. Non, parce que bon, pour Juan. Mais en fait, je vais commencer juste histoire de faire un petit teasing. Mais en gros, en fait, vous lui posez des questions et le mec, juste. Bah, non, c'est pas ça. Il reste froid. Non, non, non. Alors, il est pas très froid, mais en gros, il vous explique que c'est un service normal et que il comprend pas. Enfin, en fait, par dossier, en fait, il parle en fait. Il s'arrête, il parle et il est pas. C'est pas qu'il veut vider son sac, c'est que. Il considère qu'il est en avance sur son temps. Enfin, ouais, pas qu'il est dans son bon droit, il sait que c'est illégal. Mais en fait, il fait ça pour aider ses... Ouais, mais du coup, il rentre quelque part vraiment dans la case tueur en série, en fait, en disant ça, pour moi. Bah, pourquoi ? Mais après... Parce qu'il a le sentiment de faire le bien, en fait. Et que c'est un des principes des tueurs en série, en fait. C'est qu'ils ils sauvent leurs victimes ou ils les soulagent de leur peine, etc. Bah après, mais n'empêche que ça se discute, hein, non, des couples. En dehors de ça, ils expliquent que c'est des deals qui sont faits avec les administrés. C'est-à-dire c'est une compagnie d'assurance. Il va pas cacher que le PDG sait, mais ferme les yeux, en fait. Et que les autres savent, mais ferment les yeux. En même temps, il va clairement vous dire que c'est lui qui a décidé de faire ça, mais c'est parce que, bah, en gros, c'est des gens qui veulent se suicider et qu'en fait, il fait en sorte que ça se passe bien et c'est lui qui s'occupe du boulot. Ouais, vous avez des gens malades en phase terminale qui ont été aussi le mandat de perquisition chez lui. Bah, on le fait, hein. De toute façon, on va le faire. Et en même temps qu'il vous dit ça, je considère qu'il y a deux cops qui font la petite perquisition chez lui et là, je vais commencer à. Qui y va ? Ça, j'aimerais faire. Ouais, je vais terminer sur. Vas-y, moi je vais y aller. J'ai envie d'y aller. J'ai envie de me faire mal un peu. Bon, est-ce qu'on peut tous y aller ou pas ? Non, il y en a deux qui restent pendant l'interrogatoire. Reste là pour l'interrogatoire. Ouais, je reste, je reste. Donc, vous me faites un jet de. Perception instant de flic. Hein. On met une lumière noire sur les murs et tout de brille. Ah ! Perception. Comment ça s'appelle ? Scène de crime. Avec la mallette. 5 succès parce que j'ai un des bleus. Voilà. Ok. Oula, je me suis foiré. Ok. Alors, chez lui, clairement, je vais pas dire, c'est pas super bien caché, mais c'est quand même caché chez lui. Mais tu trouves des armes, des téléphones avec des contacts qui te paraissent douteux. Plus que douteux, je veux dire, quand c'est marqué effaceur, t'as des téléphones qui ont des numéros, juste c'est des noms qui donnent des métiers du style mercenaire, écarisseur, etc. Enfin, il y a plein de trucs rigolos. Il y a quoi d'autre ? On a des armes blanches, y a médecin on a légiste, des armes suppose, feu. Non. Hein ? Il y a médecin légiste. Il y a le numéro du médecin légiste dans ce téléphone. Le téléphone, c'est un peu une perle rare quand même. Hein. Ah ouais. T'as aussi tout un truc fabriquer des trucs du matériel électronique. Tu trouves même la documentation. En fait, tu vois qu'il y a un truc qui permet de un émetteur haute fréquence. Tu lis le truc en même temps que parce qu'il il a écrit la documentation avec. Le truc permet de provoquer un arrêt cardiaque chez des chez gens pourtant, un stimulateur cardiaque. Ouais. Wow. Clairement, ouais. T'es dans une petite planque du parfait assassin. Hein, c'est pas aussi bien rangé que celle de comment s'appelle Darkus. Et puis il y a pas vos photos, donc ça c'est cool. Mais le mec il a rationalisé son bis quoi. Il s'est dit quitte à buter des gens. Et t'as des dossiers aussi sur les gens en fait qu'il a tué en fait. Il a gardé le dossier, le contrat. Ouais, c'est un peu des trophées ça. Ouais. Non, en fait tu regardes, c'est le plan d'action en fait qui est marqué dedans en fait. Ouais.
Mais moi, je suis peut... pas d'accord avec ta théorie que c'est un psychopathe. Moi, je pense que c'est juste un mec, il a flairé son bise. Ça s'ouvre, on découvrira même qu'il y avait quelqu'un de son entourage qui était atteint d'une maladie. Eh ben, je suis pas sûr qu'il soit tant d'argent que ça, en fait, sur le truc. Ouais, mais peut-être qu'il a des raisons éthiques de le faire. Dans tous les cas, ça sera mais, au prochain épisode. Ce que t'appelles des raisons éthiques de le faire, pour moi, c'est de la psychiatrie. Voilà. Oui, vous avez jamais lu, vous avez jamais lu des choses sur l'euthanasie volontaire ? Non, mais je suis d'accord sur le principe de l'euthanasie, c'est pas un problème. Mais catholique. C'est pas un problème, mais disons que le plaisir qu'il a l'air d'en tirer et la satisfaction qu'il a l'air d'en tirer fait de lui quelqu'un qui me semble être très très proche d'un profil de tueur, de vraiment d'un tueur en série. Alors qu'avant, je pensais que c'était quelqu'un qui faisait, entre guillemets, que c'était juste un assassin et qu'il était payé par des gens qui voulaient rendre service, mais comme il fait les deux, ça me laisse penser qu'il a, il tire une satisfaction quand même à le faire. Dans tous les cas, on verra ça la semaine prochaine, quand vous allez faire le truc un peu plus poussé. Ouais. Mais voilà. C'est rigolo. Le téléphone, ouais, il y a des contacts rigolos dedans. Ouais, bah ça va être une bonne ligne d'info à... On va les faire tourner dans nos bases de données, hein, clairement. Bah, c'est simple, hein, ça va être que des prépayés, hein, mais... Oui. Bah, on va identifier chaque personne, en fait, hein. On va pas s'emmerder. Hein. Ouais, bah ça va être une enquête en soi. Hein. Ouais. Bah écoute, d'un côté, qu'il ait fait ça pour des raisons éthiques ou pas, en tout cas, il s'est sûrement compromis avec des gens crades pour le faire. Hein. Est-ce qu'il y a un contact motard ? Un contact motard ? Tu penses qu'il y a les Hells Angels dans son délire ? Non, motard. Tueur à gage motard. Ah, ok. J'étais là, eux ils sont trop schlag pour tuer des gens de manière précise et professionnelle. Ça, en fait, depuis le début de la campagne, je cherche un hitman qui a fui plusieurs fois en moto. Alors, on n'a pas beaucoup d'éléments sur lui. J'ai potentiellement un nom qui peut être le sien, mais pas certain. Ouais. Et voilà, et du coup, on a. J'attends. Il y a une espèce de petite confrontation qui va arriver, lui et moi, à un moment. Ouais, c'est le Super Bowl, quoi. C'est le... Donc, les gens qui écoutaient, merci d'écouter. Est-ce que vous êtes prêts à vous buter et en payer pour ça ? Laissez-nous dans les commentaires. Ou pas, hein, vous n'êtes pas obligés, vous sentez pas. On va se faire ban de Twitch. Bonne nuit, les gens. Bonne nuit, j'envoie le générique. Au revoir.